Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Gameblog.fr pour un nouveau live aujourd'hui consacré à Watch Dogs avec le petit Alors il faut savoir que Mimic qui m'accompagne aujourd'hui pour le live enchaîne les lives en ce moment, il est très fatigué. Je suis effectivement crevé, alors attendez, ça va être de la folie. Voilà, donc ce n'est pas du tout sur Watch Dogs qu'on va se faire ce live, c'est sur Infamous Second Son et tu vas nous montrer comment. Pas bien, en fait. Mimic, ouais, regarde bien, attention. Ouais. Changement de costume. Ok, très bien, voilà. Et voilà, tu montres bien le truc de devant marqué Seattle 68. Voilà. Alors, Infamous Second Son qui sort demain sur PlayStation 4, un jeu de Sucker Punch, un jeu qui, normalement, doit lancer un peu technologiquement, du moins, la PlayStation 4. Parce que Killzone, c'était, voilà, c'était sympa. Oh, c'était là, c'était une mouche, hein, là, voilà. Fallait lever le niveau, parce que changement de costume, y a un problème de jeu, cette machine-là, c'est quand même la machine excellente, la plus vendue. Il n'y a pas de vrai jeu qui défonce tout. Voilà, exactement. Alors, Infamous Second Son qui sort demain sur PlayStation 4. Alors, ce que tu dis, moi, je ne suis pas d'accord. Non, je plaisante. Normalement, on va lancer Watch Dogs. C'est ça. La PlayStation 4. Et comme chaque live, vous allez pouvoir interagir avec une mouche, hein, voilà. Et vous allez pouvoir laisser vos remarques sur Twitter avec le hashtag Infamous et le blog. Vous allez voir, c'est très subtil. Alors, Infamous, c'est en minuscule. Et Infamous, tu dis, je suis pas d'accord. Je représente le plaisir. C'est ça. Comme chaque live, vous allez pouvoir interagir avec une mouche. Alors, on joue le rôle de Delphine. Wow. On va faire un petit récap du set. Allez, ça se passe à Seattle. Ça se passe 7 ans après les événements qui ont conclu les Infamous 2 sur la grâce. Je plaisante. Comme à chaque live, on va faire un échec de d'abord le scénar. Alors, on joue le rôle d'abord le scénar. Delphine. On va faire un petit récap du set. Allez, on va parler. Alors donc voilà, ça se passe 7 ans après. Comme à chaque live, on va faire un petit récap du scénar. Merci pour ce résumé. Voilà, ça se passe 7 ans après. Et donc c'est un nouveau personnage qui s'appelle Delphine Hero, qui est un... D'abord le scénar. Alors on joue d'abord le scénar. C'est un ange qui habite dans une réserve indienne avec ses frères. Ça se passe 7 ans après. Qui est flic. Qui est flic, tout à fait. Que lui il est. C'est pas le même boulot. Mais c'est pas le même boulot. Donc voilà. Voilà, 7 ans après. Et évidemment, donc c'est des personnages qui sont qu'on a pu croiser auparavant, qui ont créé un petit peu les événements d'Infamous 2, ont tous été, les porteurs qui restaient ont tous été arrêtés par un organisme qui s'appelle le DUP pendant ces 7 années. Et ils ont été enfermés à un endroit. Pour protéger les populations qui d'abord en avaient peur, qui les rejetaient, et puis aussi pour établir un petit peu l'ordre mondial. Voilà, parce que ces gars-là qui ont quand même des super pouvoirs, certains faisaient un peu n'importe quoi, des armes biologiques, tout à fait, qui sont en fait, on les appelle des bioterroristes. Voilà, des bioterroristes. Voilà. Puisqu'ils ont des super pouvoirs, un peu comme les X-Men, des choses comme ça. Donc voilà, et donc Delphine et son frère Reggie sont dans leur réserve, ils vivent leur petite vie, et d'un coup il se passe un truc, il y a des porteurs qui sont prisonniers, qui sont transportés à travers la réserve en fait, c'est un convoi policier, on les emmène d'un endroit à un autre. Sauf qu'il y a un accident, il y a trois porteurs qui s'en vont. Enfin, deux porteurs qui s'en vont et un qui reste, qui est accidenté en fait. Et Delphine, qui voit l'accident, va l'aider. Et puis, il se passe un truc tragique. Il le touche comme ça, comme tu peux le voir. Je te touche là maintenant. Voilà. Et là, je récupère tous tes pouvoirs. Ah cool. Donc tu vois, par exemple, je peux être désagréable. Tu vas avoir la loose. Tu vois. Ah, ça c'est bien. tout contester, dire non tout le temps, enfin des choses comme oh, ça. Oh, dis donc, c'est pas mes pouvoirs, ça. Hein, je te signale. Et donc voilà. Et donc le pouvoir de ce porteur qui est Delphine, c'est d'absorber les pouvoirs des autres porteurs. C'est un pouvoir donc extrêmement particulier, puisque ça lui permet de switcher d'un pouvoir à l'autre. Il a le même pouvoir que Sylar dans Heroes, dis donc. Il y a quelque chose, hein, t'as vu. Ouais, sauf que lui, c'est quand même plus cool. Il a pas découpé les cervelles, il a coupé les cheveux en quatre ou les neurones en quatre, j'ai envie de dire. Lui, il le fait directement en touchant. Et donc là, comme on a pu le voir, cette scène. Si mais non, c'était Peter Petrelli qui pouvait les absorber. Ah oui, c'est Peter, oui, t'as raison. Ouais, c'est vrai. Sylar, il les apprenait, mais Peter, il pouvait les. Et donc voilà, et c'est là justement, on est à peu près à un quart d'heure, 20 minutes de jeu, t'as dû le faire toi. Ouais. Voilà, donc un quart d'heure, 20 minutes de jeu. Et justement, il vient de récupérer ses pouvoirs.
Il vient de toucher pardon le premier porteur qui lui a filé donc du feu non ça non ah bon qui lui a filé du de la fumée qui est le premier pouvoir et donc et ben il est en train de s'approcher de Seattle suite à l'acquisition de ses pouvoirs. D'accord. On va pas trop vous, tout vous détailler, mais on peut voir que déjà il a été rejeté, puisque dans le bus il pouvait pas monter, comme son frère lui a dit, puisque les gens du bus avaient peur de lui, même s'il aidait les gens du bus, puisque c'est désormais un porteur. Et c'est un truc cool dans, le, dans l'univers de So Infamous, c'est justement qu'ils abordent un petit peu des sujets sensibles comme l'intégration, les problèmes sociaux, il y a une espèce d'ambroglio autour de la peur des porteurs. Voilà, la déclaration de la loi martiale à Seattle, des choses comme ça, des choses qu'on ressent à la fois dans le jeu, dans le gameplay et dans le scénar en fait. Ah mais là il y a un souci non? Il vient de se prendre deux balles. Non, il n'y a pas de souci. Ah bon? Bon non, ah, un, bon, ça va porteur, alors. Il n'y a aucun souci. Alors pendant qu'on salut regarde à tous, ça, exactement, un petit salut à tous. Tenez, je vais vous saluer tous un par un parce que je suis quelqu'un de vraiment sympa. Oh, on a eu un petit problème de son, hein, vous inquiétez pas, ça a été réglé très rapidement. Alors, bonsoir Grimlooper, bonsoir Gibson25, bonsoir Tigris972, bonsoir Uzuna, bonsoir Julien Eckel, bonsoir Nicolas à tous, B. Bonsoir à tous quoi. Bonsoir, bonsoir à tous exactement, et à toutes aussi, hein, des fois c'est, ça arrive, il y a aussi des personnes du sexe féminin. Eh ben écoute, j'en suis ravi. Ça arrive. C'est pas pour me déplaire, tu sais. Bon bah surtout toi, ça c'est certain. Alors, tac, tac. Alors, déjà ce qu'on peut voir quand même, c'est que c'est super beau. C'est quand même le truc qu'on ouais, peut, ouais, qu'on peut ouais, dire. Ouais, c'est raisonnable. Non, c'est pas très beau. Bah disons que tu parlais de Watch Dogs, j'ai l'impression de voir Watch Dogs... ah ouais. Presque ouais. Watch Dogs. Ah bah non. Non, presque. Non, pas, le, pas la version 2014, hein, la version 2012. Ah, ok, cool. Celle du trailer. Ouais, c'est un des plus beaux jeux, c'est un des plus beaux jeux next-gen, en tout cas pour moi, de ce que j'ai pu voir jusqu'ici. Alors, il y a là, Rise. C'est, là, c'est le début, hein. C'est le tout début, ouais. Donc, c'est de l'action pour l'instant, mais après, c'est Seattle en monde ouvert. Tout à fait, tout à fait. Bon, alors, là, on va passer à toutes les séquences, de toute façon. Mal barré. Et on peut déjà voir qu'au niveau des éclairages, alors, des couleurs... ça pète la gueule. Puis, niveau finesse, c'est super classe, il y a quasiment pas un pet d'aliasing. Donc là, on peut voir, par exemple, que donc, j'ai plus de pouvoir. Mon pouvoir est indiqué en bas à gauche par la jauge, le pouvoir actuel que je possède, qui est donc la fumée. Et donc là, il m'indique, justement, puisqu'il y a de la fumée sur cette voiture, que le moteur est fumant, que je peux absorber. Donc j'appuie sur le pavé tactile que vous voyez là. Et là, hop, ça absorbe. Mais le bien devant la petite le caméra. Le pavé tactile que vous voyez juste là. Voilà. Et là, maintenant, je peux recommencer à utiliser mes pouvoirs. Donc là, en l'occurrence, j'ai la petite boule de feu. Donc on va essayer. Mais t'as pas que tes pouvoirs à distance. Non, il n'y a pas que des pouvoirs à distance. Bah, donc montre-nous, vas-y. Eh bien, je sais pas si je l'ai là pour l'instant. Ah, bon, non, voilà, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Alors, il y a Octopus Vulgaris qui nous dit oui, il y a des filles qui regardent. Oh, bah dis donc, écoute. Écoute, Octopus Vulgaris. Enchanté, mademoiselle. On est content que tu nous regardes. Alors là, on peut voir, voilà, le pire essaie de se rendre, appuyer sur machin pour augmenter du karma, le karma bénéfique ou alors l'exécuter pour le karma négatif. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà dans les autres. Des choix moraux. Tout à fait, exactement, qui influence donc le karma. Et l'intérêt, finalement, même s'il y a quelques, ça propose, ça permet d'avoir quelques missions alternatives, ça permet surtout de développer des pouvoirs un peu particuliers, c'est-à-dire des pouvoirs, on va dire, soit plus bénéfiques, soit plus maléfiques. Oula, c'est normal, c'est normal. Oh, ça va. Ouais, moi, ça me fait flipper. Tout cela est tout à fait normal. Et donc voilà, et ce qui est cool aussi, c'est qu'en fonction de ce qu'on fait, alors si on va à fond dans le bénéfique, ben, on va avoir accès à tous les pouvoirs bénéfiques, mais alors par contre, il y a des pouvoirs maléfiques qui sont planqués dans les bénéfiques, dont on ne pourra pas avoir accès, et inversement. D'accord. Donc il y a ceux qui vont être extrémistes, et il y a ceux qui vont jouer avec bah, l'ambivalence de changer de karma systématiquement pour pouvoir récupérer différents types de pouvoirs et customiser leur personnage. Ça, d'accord, c'est cool parce que ça influence un petit peu le gameplay, puisqu'avec ces nouveaux pouvoirs, bah, tu joues un petit peu différemment. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le concept. Il y a quelques choix moraux vraiment forts dans le jeu, il y en a 4 ou 5 dans mon souvenir. Et donc, le premier, en tout cas, je l'ai vu, j'ai vécu voilà, tout à l'heure. Mais ça, c'est vraiment, je pense, c'est le plus important. Mais voilà, je pense qu'il y en a qui sont plus décisifs que d'autres. Donc vous pouvez voir le pouvoir de fumer, tu peux te téléporter. Tu peux te téléporter, voilà, on peut pas aller non plus super loin, il faut rester un petit peu lucide quand même. Et voilà. Et alors là, on va voir aussi les noyaux. Donc les noyaux, c'est des espèces de moteurs qu'on trouve un peu partout dans la ville qui sont là pour une certaine raison. Et on récupère ces pouvoirs. Tout ce qui est interaction d'ailleurs avec le jeu, donc là j'ai fait l'interaction avec le noyau, se fait avec le pavé tactile que vous pouvez voir ici, toujours pareil, on appuie dessus. Et là, bah, ça me permet, les noyaux me permettent de récupérer des nouveaux pouvoirs permanents, j'ai envie de dire, avec mon personnage. Donc là, vous allez comprendre de quoi il retourne. Le principe, c'est de sauter sur la voiture. Hop, et là, ça me permet... Il y a Baby Gélias, Gélise, je sais pas comment ça se prononce, tu nous diras. Oui, il défie, impatient de jouer à ce jeu. Bah écoute, tu peux l'être, hein. Très sincèrement, c'est vachement cool. On peut voir que le truc est en train de s'effondrer. Alors, un des petits trucs qui est super cool aussi, c'est que bah, Delsine, il peut grimper sur quasiment tout. Poser sur quasiment tout, et ça c'est vachement sympa. Parce qu'à la base c'est un... Delsine, il est... Un indien? Non, c'est un graffeur. Oui, effectivement, c'est un genre de mec qui va un peu partout pour faire... C'est vrai, c'est exact, tout à fait.
Mais un parasite, mais, quoi. Alors, moi j'ai dit que c'était un indien. Un sauvageon. Mais tout de suite. mais voilà, vous aurez compris l'idée. Et donc, ce qui est vachement cool, parce que ça fonctionne plutôt bien. C'est assez souple, etc. Mais par contre, on entend des espèces de petits à-coups. Alors, je sais pas si on va le voir là, je vous montrerai dans les mais immeubles. Cole aussi, si je me rappelle bien, McGrath, il se déplaçait de la même façon. Dès qu'il trouvait des rebords, il glissait. Tout à fait. Mais ça fonctionne vraiment encore mieux, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment très confort, on pose dessus, et on peut aller quasiment partout, quoi. D'accord. Et c'est vachement classe parce qu'on peut aller se poser en haut d'un réverbère ou aller tout en haut d'un immeuble pour scruter ou pour fighter d'ailleurs. Donc là, j'ai un nouveau pouvoir, mais j'ai pas vu ce que c'était. Il y a quelques questions déjà. Il y a Thomas Beau qui demande niveau durée de vie et rejouabilité. Alors, merci, les gars. À peu près 10-12 heures, moi je dirais. Attends, ton téléphone vient de sonner dans le pad. Hein. D'accord. Dans le pad, le téléphone a sonné dans le pad et là il y a la demoiselle qui m'appelle. Et d'ailleurs, je crois que son dialogue dépend du choix que tu as fait à un moment, toi. Ah bah moi, j'étais le mec le plus sympa du monde. Voilà, bah c'est aussi le choix que j'avais fait moi. Donc voilà, là on peut voir les éclairages qui juste cassent la gueule. Donc bref, la durée de vie à peu près 10-12 heures. Faire attention. Hop, check. À peu près 10-12 heures, je pense qu'en faisant toutes les quêtes annexes, en libérant tous les quartiers, puisqu'on doit libérer les quartiers de Seattle, de la domination de certains. Une certaine police qui s'appelle les DUP, qui chasse donc les. Oula, j'ai merdé. Oh, j'ai merdé. C'est pas grave. Je crois que j'avais le double fumé, mais je ne l'ai pas. Donc c'est pas très grave. Hop, tac, hop, et là on va faire ce qu'il veut, voilà. Ça me permet de planouiller un petit peu. Bah dis donc. 10-12 heures, je dirais qu'en faisant toutes les cases annexes, ouais, un petit peu plus, je dirais même jusqu'à peut-être 20 heures. Là en plus, ils ont fait une mise à jour, ils rajoutent 19 missions d'annexes, il y en a un peu partout. Donc, non, ils se foutent pas du monde, c'est un truc gratos évidemment. Donc c'est plutôt très très cool. Comment c'est un truc gratos évidemment? Aujourd'hui, les trucs gratos, c'est juste. Oui, bien sûr, mais je veux dire là, c'est bon pour le lancement de leur jeu. Oula, j'ai merdé. Hop là, check. Hop, allez, c'est parti. Tac. Tiens, question de Tigris justement, Tigris972 sur Twitter avec le hashtag InFamousGameBlog, n'oubliez pas, hein, remettez des gens. On sera ravis d'avoir un peu plus de public et de personnes qui veulent discuter avec nous. Tigris972 qui nous demande à quoi servent le haut-parleur. Donc là, on l'a vu. Il y a des interactions vocales, on va dire. Des petits signaux, le téléphone qui sonne, de temps en temps, on parle aussi un petit peu. Exactement. Et puis le pavé tactile, lui, sert à tout ce qui est interaction directe avec les décors. En fait, si vous voulez savoir, pour la barre lumineuse. Écoute, je n'ai rien vu. Tu n'as rien vu? Non, je n'ai pas vu. C'est le truc auquel tu n'as pas fait attention. J'ai pas du tout pensé. On ne joue pas devant un miroir. Non, effectivement. Et puis, c'est comme jouer sur Vita, par exemple. C'est un truc que j'ai pas pu faire parce qu'on n'a pas pu jouer connecté au net au jeu. Donc, il faut être connecté au net, malheureusement. Donc on avait pu tester. J'imagine que ça fonctionne bien. Mais voilà. Mais le truc, en tout cas, de base sur Infamous, ça, je tiens à le dire quand même, c'est donc du 1080p et du 30 images secondes. A priori stable, c'est ce qu'ils ont dit. D'accord. Bien stable, donc ça c'est plutôt cool. Il se trouve qu'il y a quelques ralentissements lorsqu'on commence à balancer ses pouvoirs. La Xbox One est en train de gagner alors. Hein. C'est pas mal, c'est bon ça. Mais voilà, et puis bon, c'est quand même super beau, c'est super jouable, ça fonctionne très très bien. Alors, voilà. Question d'Adrien Hamel, est-ce que c'est la claque? Moi je trouve que c'est une claque graphique, vraiment. Il joue vachement sur. C'est très coloré. Bon, là, évidemment, c'est pas le cas parce qu'il pleut, etc. Mais globalement, c'est très coloré. Il joue beaucoup sur les effets de lumière en changeant les moments de la journée à des moments clés du jeu. Il y a un passage du temps, mais il le fait tout seul. C'est-à-dire que tu restes à rien faire, le temps ne passe pas. Il n'y a pas de changement climatique. Voilà, c'est en fonction de l'avancée scénaristique, j'ai envie de dire. D'accord. D'un coup, l'image s'arrête, il fait une accélération de temps, et puis tu vois que le temps passe, et à ce moment-là, il change de temps. Donc voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Moi je trouve vraiment, ouais, techniquement c'est absolument superbe, ça pète dans tous les coins. Dans ces endroits-là, ça tombe bien qu'on tombe là-dessus, puisque c'est un camp DUP. Par contre, ça n'explose pas dans tous les coins ailleurs hors de ces camps. Et donc, par exemple, on ne peut pas détruire de bâtiments, ce qui est quand même assez choquant. Foutre le feu aux arbres, on en a déjà parlé. Ce qui est quand même assez bizarre, en fait, dans un monde où, par exemple, tu peux faire péter. T'as trois bagnoles qui sont alignées, tu fais péter la première avec une boule de feu, et t'as les autres qui vont péter en réaction en chaîne. Ça paraît cohérent. Et puis, ces petits détails-là, ça fait bizarre parce que ça te sort un peu du truc. C'est comme Delsine qui ne peut pas aller dans l'eau. Moi, je trouve ça quand même assez dingo. Il va dans l'eau, il faut appuyer sur le pavé tactile pour le faire sortir de l'eau parce qu'on ne peut plus le déplacer, et on va te poser sur un bord automatiquement. Je trouve ça assez bizarre. Enfin, en termes de cohérence, j'ai vu mieux. Voilà, au-delà de ça, je répète, c'est quand même super beau, c'est fluide globalement, et puis ça a la patate surtout au niveau gameplay, c'est jouissif à jouer, quoi, avec les super pouvoirs. Très bien, alors j'ai d'autres remarques, d'autres questions. Adrien Mel qui demande, sauf si spoil, est-ce qu'il y a un lien avec les deux premiers? Oui, il y en a, mais c'est assez léger, moi j'ai trouvé, mais oui, il y en a. D'accord. Faut bien connaître.
Et c'est très très léger quand même. On sent un petit peu qu'ils repartent sur quelque chose d'autre avec ce personnage. Ok. Voilà. Donc Octopus vulgariste tout à l'heure qui me disait salut. Alors le bonnet est confortable ? Écoute, j'ai un peu chaud parce qu'on a un espèce de spot là-bas, mais ce qui est cool c'est que là du coup on voit moins que je suis chaud, donc j'apprécie le bonnet du coup. Pour vous, est-ce que les effets de particules et explosions sont bien faits, nous demande Gibson 25. Ouais, c'est classe, alors plus on avance dans le jeu, plus il balance la sauce là-dessus. Il y a certains moments qui envoient du lourd, et notamment certains boss, dont le boss de fin d'ailleurs, qui juste... claque la gueule, vraiment techniquement c'est très impressionnant. Il y a des effets de particules, des trucs qui bougent dans tous les coins, ça claque la gueule très clairement de A à Z sur les effets de lumière. Enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs. On voit quand il pleut ce qu'il y a au sol, les petites flaques, etc. La réverbération de la lumière qui fonctionne bien, j'essaie de vous montrer ça là justement, qui est juste super impressionnant. Voilà, bon après le truc c'est que le clipping est quasiment inexistant, il y en a un tout petit peu, mais c'est quasiment inexistant. Évidemment, il est dans une ville avec des grands buildings. Hein. Donc voilà, il y a beaucoup de jeux de couleurs, des quartiers différents. Il y a plein de petits détails, on peut pouvoir tirer sur des petits trucs qui vont se mettre à bouger, etc. Même si, je le répète, voilà, on ne peut pas péter les immeubles, ce que je trouve quand même assez chelou. Mais c'est vrai qu'en termes de level design, ça aurait été l'horreur si vous pouvez commencer à tout péter. Là, j'utilise un poste de scan, puisque c'est dans le scénar, puisque pour rentrer dans la ville, je dois utiliser donc le pavé tactile que vous pouvez voir ici. Hop, puis je ne me trompe pas, tac, voilà, donc là je bouge, hop, ça va directement sur le truc, et là, hop. Et je me fais analyser le doigt, et malheureusement, comme je suis un conduite, donc un porteur, ils vont le voir. Vous êtes un sale con. Voilà, et c'est là que ça va commencer à merder. On doit aller en ville parce qu'on a un problème. Je ne vais pas vous expliquer, vous les courrez à tout seul. Ouais, tu sais, quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. Hein. C'est vrai qu'il y a un problème. Donc là, ils ont vu que j'étais un mec pas normal, et donc là, c'est parti pour la guéguerre. Alors, attends, combien de place pour l'installation, tiens? J'ai pas regardé du tout. Alors, je peux pas te dire, néanmoins, on doit pouvoir regarder là. Ça, tu l'as encore fait avec le pavé tactile? Ouais, je l'ai encore fait avec le pavé tactile. Darkstroke qui dit merci d'avoir mis comme point positif dans le test la possibilité de mettre le jeu en VOST. Ah tout à fait, d'ailleurs on peut même le faire tout de suite si vous voulez. Hein. Ça serait pas mal parce que je dois t'avouer que la VF m'a... Bah écoute, moi au début effectivement ça m'a un petit peu... J'ai pas trouvé ça super et finalement ça fonctionne très très bien. On s'y fait très très bien. Bah écoute, je préfère... Alors du coup je peux faire tac, 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 tac. Tiens, on va changer ça aussi, tac. Ensuite on va mettre... C'est où doublage français. Y'a pas Oulous qui demande si tu vends ton bonnet. Qui n'est non, pas le tien. Je le vends pas, mais je vais sûrement le piquer, ouais. Ah, c'est tu vas le piquer. Bon, bah voilà, vous le savez, hein. Lui il annonce en direct. Mais alors la VO pour le coup, elle cartonne complètement, il n'y a pas de souci. C'est assez classe aussi. Mais en français, franchement, ils ont fait du bon travail. Alors, Pierre Zobala qui demande si le jeu est en 1080p, 60 fps. Non, on a dit 30 fps, mais 30. Il fallait mais 30 constant, a priori, de temps en temps, des petits ralentissements. Hein. Ok, Octopus Vulgaris, tu sais, la fille ouais, ouais. De tout à l'heure. Qui dit j'hésite à prendre le jeu, c'est quoi l'argument que vous pouvez me donner pour que mon porte-monnaie pleure? Déjà, est-ce que t'as une PS4? C'est un bon... C'est la première question que je poserais, mais j'imagine que oui. C'est quoi, j'ai passé ça un peu en plein écran pour... Bah écoute, si t'aimes les mondes ouverts et les jeux de super pouvoir, tu seras pas déçu, ça c'est certain. Parce que techniquement, c'est vraiment la grosse claque. Après, c'est pas une révolution ni dans ce type de jeu, ni dans l'architecture des jeux qu'on peut avoir dans la saga Infamous. Qui est quand même néanmoins une très bonne saga. Donc voilà, il n'y a pas de truc révolutionnaire, mais c'est très très beau, c'est très agréable à jouer, c'est très confortable. C'est une aventure où il y a quand même pas mal de choses à faire, même si elle est un petit peu répétitive sur certains trucs. Là, tu viens défoncer le pont quoi. Ouais, mais c'est parce que c'est le truc marqué DUP, tu vois. Tout ce qui est DUP, je peux bien les péter. Normalement, je dois pouvoir tout péter là, mais je sais pas si j'ai le truc qu'il faut. T'es un peu un loupard avec ta chaîne de vélo. Tout à fait, ouais. Ma petite chaîne, je l'utilise. Ah, bah tiens, je connais ce monsieur. Ah oui, il y a un monsieur qui arrive. Donc là, on peut voir, ça se fracasse. Il n'y a pas de souci. Mais c'est parce que c'est un camp DUP. Sinon, c'est beaucoup moins. Ah, mais là, j'ai quasiment plus de pouvoir. Tiens, je vais en charger. Le camp DUP ? Le camp DUP, ouais. C'est DUP. C'est BG, tu vois. C'est les gens classiques. Regardez, on peut voir. Un monsieur est là, c'est Tiger. Coucou. Je vais acheter un coup d'œil au jeu. Ah, bah donc, tu peux. Donc voilà, et donc là, par exemple, on peut voir qu'il y a un mec là qui est un civil qui souffre. Tu peux lui mettre un coup de sa tombe. Ou je peux lui mettre un coup de sa tombe. Enfin, mon téléphone est mal négatif. Voilà. Et ça te plaît beaucoup, hein. Ah, ouais, ça, c'est rigolo. Hein. C'est violent, ça, c'est rigolo. Mais tu sais que tu peux. Je reviens sur Metal Gear Solid Ground Zeroes. Ouais. J'ai fait ça hier à la rédac, pendant qu'on essayait les versions 360 et PS3. Ouais. Il y avait un mec qui était au sol, ouais. J'ai mis des coups de saton pendant 10 minutes. Ah oui, oui. Mais 10 minutes, hein. Ouais. Et jamais il s'est évanoui ou quoi que ce soit. 10 minutes. Ouais.
Ça m'a déçu. Je sais qu'il y a des trucs qui t'ont déçu dans le jeu. Bon, après, je peux comprendre. Moi, je l'ai pas fini encore. Donc alors, truc rigolo aussi, là, donc là, on a les civils qui sont là. Je peux faire évidemment. Attention, un sniper. Voilà, je peux commencer à leur mettre le feu si j'ai envie. Tac, voilà, civil blessé, ça fait augmenter mon karma. Alors, lui, qu'est-ce qu'il veut? Ouh, il y a du taunt. C'est joli, quand même. Te concernant, américain. Oui, qu'est-ce que j'ai fait encore? Bah, c'est. Sois sympa. C'est Cassilia, hein, Marlys Vallée. Ouais. Salut, qui ah, dit... Cassilia, ouais. Ouais, qui te dit, mais non, tu n'es pas chauve. Lol. C'est pas du taunt, en fait. C'est pas du taunt? Non, c'est du réconfort. C'est une copine, ouais. Ah, non mais je sais qui c'est. Ah bon, d'accord, ok. Mais c'est juste, moi, j'imaginais ça comme un taux. C'est de la private joke. Exactement. Ouais. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a Gaëtan Amarap qui demande comment il a bande son, tiens. Écoute, c'est plutôt pas mal, mais moi il y a des morceaux que j'ai pas trop aimé, un peu, c'est rock, un peu rock et hein. tout. Ouais, un petit peu rock, ouais. Mm. C'est un morceau que j'ai pas trop aimé, mais globalement c'est, ça passe très bien. Seattle, le berceau de grands groupes de rock, hein, des années 80, 90. Putain, les feuilles mortes elles bougent même pas, c'est de la texture. Non, c'est bah nul, tu veux que je te montre un truc, regarde, ça c'est énervant ça. Il y a un léger problème là, tu vois. Moi j'aimerais bien foutre le feu à tout ça. Ah, je peux Pierre Zogoda nous dit 24,1 giga pour l'installation. Eh ben, bah voilà. Écoute, merci. Tu peux prendre un parapluie? Non, je peux pas là pour l'instant. Je dois pouvoir faire quelque chose. Ça c'est cool de nous dire ça parce que c'est tout. On ne le savait pas. Mais il ne prend pas feu, comme tu peux le voir. Détruisez le poste de contrôle de EP avant d'entrer dans Seattle. Bah écoute, on va continuer alors. Il y a Tigris qui nous dit le jeu envoie du lourd quand même, la PS4 en a dans le ventre. Ah c'est oui. qu'un début. Ah oui, c'est clair, bah, c'est qu'un début effectivement. C'est qu'un début. Et puis la Xbox One, elle est pas. Elle va. Enfin, on nous a assuré. Hein, du côté de la GDC, en tout cas, porte-parole de Microsoft a assuré que le 1080, ça allait devenir un standard, et que bah, ils ont surtout annoncé DirectX 12. Alors là, le truc ah, voilà. qui branle. Ça, tu voulais nous en parler. Hein. Bah, le DirectX 12, tu vois, dire on va installer DirectX 12 et du coup, ça va aller mieux. Je sais pas comment c'est possible. Sachant que le hardware, lui, ne bouge pas. Enfin, j'ai du mal à comprendre, mais bon, ça se trouve, dans deux mois, DirectX 12 sort, et puis la Xbox One, elle va être démentielle, hein, mais. Un doute. Ah, c'est eux là-bas que je l'avais pas tué. On peut avoir un petit effet flouté aussi quand tu t'approches des trucs. Bon, j'ai vu le jeu tout à l'heure, il y avait du soleil, c'était plus sympa quand même. Bah là, il flotte, ouais, mais c'est Seattle en vrai, hein, là, quand tu regardes ça. Il y a Darth Rock qui demande est-ce que, comme dans Infamous 2, la possibilité de créer des missions et de les partager sur le net. Non, je n'ai rien vu de tel. Et bah, c'est de la merde, on arrête tout de suite ce live. Allez, salut. Donc, pas de créateur de mission, d'accord. Tout à fait. Écoute, c'est triste. Oui, je suis assez d'accord aussi. Ils vont sûrement se fendre d'un DLC. J'espère, écoute, il y a un truc pour ça. Ce bout-là, quoi. Moi, j'ai rien vu de tel. Ensuite, il y a Jay-Liz, qui je suppose est une jeune fille aussi, parce que c'est EmilyNet77, c'est bon, salut. La jauge d'énergie sert à quoi exactement? Alors, Quelle action la jauge d'énergie? Oh, c'est certaines actions en fait que moi je fais qui sont en rapport avec les pouvoirs. Alors là, par exemple, j'aimerais bien aller récupérer une source de pouvoir, mais j'en ai pas. Donc là par exemple ça ne me coûte rien. Tout ce qui est déplacement ne me coûte rien. D'accord. Par contre tout ce qui va être boule etc. Là ça me plaît pas. Tu vois je ne peux plus le balancer parce que j'ai plus de jauge en bas. Donc alors que tu es aspiré. Exactement. De la fumée. C'est ce que je vais faire d'ailleurs là. Et donc tu bousilles une caisse et du coup ça va faire de la fumée. J'aimerais que tu as bien, en tout cas. Voilà. Ça c'est génial. Voilà. Hop. Tac. Alors évidemment globalement c'est indiqué un petit peu partout sur la map. Hop. Y a Rafik qui nous dit bonsoir, le jeu m'a l'air bien plus joli et next gen que Watch Dogs. Ah bah ça y a pas poteau. Encore du taunt. Non, on est tout à fait d'accord là-dessus. Hein. Ouais, on va pas trop s'avancer, mais c'est vrai que bon. Alors là, on peut voir, tu vois, comment ça fonctionne. Il y a cette espèce de rebond qu'il y a là sur les trucs qui est un peu bizarre. Voilà. Ça y est, j'ai envie de mettre. Pardon, je suis drogué. Alors, donc voilà, un truc vachement cool, c'est ça. Donc on l'avait vu dans les trailers aussi, c'est qu'un peu partout dans la ville, il y a des conduits comme ça, et là, évidemment, hop. Ouh, c'est sensation. Putain, cette espèce de petite fluidité. Ouais, puis même, tu vois, hop là, voilà, ça augmente tout mon truc. Le champ de vision. Ah, c'est classe, la hein. portée du champ de vision est incroyable. Hop là. Mais il utilise un petit système, un petit truc flouté au bout, tu vois. Ouais, c'est pas grave, hein. Mais c'est classe quand même. Donc voilà, donc là par exemple, tu vois, regarde bien la jauge en bas à gauche, la Miss Tinguette. Donc là, tu vois, si je tire, hop, la jauge va commencer à baisser. Pour mon coup de flingue aussi, ça doit être bon, mais là, je n'ai quasiment aucun pouvoir. Ah, c'est une petite, qu'est-ce que je peux faire? Si je peux utiliser mon fusil à pompe, je crois. Alors tu vois, on peut voir, donc ce qui va se passer, c'est que j'ai pris trop de dommages. Ils sont un peu beaucoup, hein, là. Ouais, ouais, mais c'est pas très grave. Et donc là, je peux faire, c'est hop, je rentre dans le conduit, hop là, je me casse, hop, je peux aller là-bas, hop, je vais me faire celui-là, tac. Ouais, ouais. Je suis tranquille, et là, je vais attendre parce que la jauge remonte évidemment toute seule, hein, c'est un truc classique. Voilà, hop, et là, hop, je retourne directement en bas, et c'est reparti, les gars. Alors normalement après j'ai un petit coup de poing par exemple où je pourrais m'écraser au sol et éclater les mecs. Mais là pour l'instant voilà je fais un petit peu toujours la même chose. Alors là j'ai été sympa, je l'ai HP mais gentiment. Alors Alex Power Cult demande salut, l'apparence change-t-elle par rapport au karma? Alors en fait non, j'ai rien vu non plus de tel. Le truc c'est que par contre on peut changer l'insigne qu'il y a dans le dos de Delsin.
Voilà, mm-hmm. c'est tout ce que je veux faire. Non, il n'y a pas de gros changements par rapport à ça. Mm-hmm. En tout cas, pas visible. Moi, j'ai fait ça en bénéfique. Après, j'ai essayé quelques trucs un peu négatifs, mais je ne suis pas passé dans le karma complètement négatif, donc je ne peux pas te répondre à 100%. Ouais. Mais j'ai rien vu qui me l'indiquait dans les menus ou quoi que ce soit. Il y a Octopus Vulgaris, une fois de plus, qui insiste sur le bonnet. Elle dit, si elle prend le jeu, est-ce qu'il y a possibilité après de faire un échange de bonnet? Voilà. Je crois qu'elle fait une fixation sur le bonnet. Effectivement, il y a une fixette sur le bonnet. Écoute, on en reparlera en privé, il va falloir être sympa. Hein. Ok, non, je veux qu'on arrête cette conversation immédiatement. Il y a Spike Saeba et Gibson25 qui me parlent de DirectX 12, effectivement. Ah, on peut voir que ça va optimiser le truc, hein, mais bon, j'ai du mal à imaginer. Les mecs flippent parce que j'ai cassé leur autre pote, ouais. Donc je peux quand même... Je m'empêche pas d'être un salaud. T'aurais pu ouais, mais en fait, non, j'ai décidé que non, sur ce coup-là, et l'autre, ça doit être pareil. Alors, il y a les petites caches qu'on peut voir, donc soit je peux ouvrir la porte, classique, et là, c'est bénéfique, ou alors je peux péter le truc. Je crois que si je saute... Non, alors, j'ai pas encore mon pouvoir, c'est dommage, parce que je l'ai pas. Mais je peux péter toute la truc, en fait, et du coup, ça m'apportera du karma négatif. Très bien, alors Nicolas B demande, la répétitivité des activités se fait-elle autant se ressentir que dans les deux premiers? Alors oui, il y a ce problème-là, effectivement. D'abord, le premier truc, c'est que les pouvoirs, et donc il y en a différents, on en connaît deux. J'ai pas envie de vous dire ce qu'il y a après, mais il y en a d'autres, effectivement. Il y en a pas énormément d'autres, mais il y en a d'autres. Et le truc, c'est que ces pouvoirs sont cloisonnés. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas pouvoir utiliser, donc on connaît les deux premiers, puisque je voulais vous montrer, c'est la fumée et le néon, voilà. Donc on peut utiliser les utiliser l'un après l'autre, mais pas sur une même action. Par exemple, je vais pas pouvoir lancer une boule de feu, donc je lançais tout à l'heure. Avec le néon, je peux lancer un rayon, je pourrais pas passer de l'un à l'autre juste en un seul coup comme ça. Il va falloir repasser par une source d'énergie pour remplir la jauge que vous pouvez voir là et changer de style. Donc on va croiser des néons dans la ville, on pourra faire ça. Donc voilà, et donc du coup le problème c'est qu'on fait effectivement souvent les mêmes actions. Il y a quand même une certaine variété de l'action, on peut le voir ici. Alors attends, tac. Voilà, donc ça c'est par exemple tout ce qu'on peut développer du côté de la fumée sur le template. Donc on va chercher des noyaux en fait de pouvoir qui sont répartis dans toute la ville. Et avec ces noyaux on va pouvoir remplir les petites encoches qu'il y a là. Ouais. Et ça va nous donner des pouvoirs de plus en plus forts et nouveaux entre guillemets. Dans ce style là qui sera donc la fumée, mais on ne pourra pas en sortir en fait, et c'est ça qui est un petit peu frustrant, même si parce que les autres pouvoirs apportent des gameplays un peu différents, donc ça c'est plutôt cool, sauf que voilà, ils sont cloisonnés, donc on a tendance à utiliser souvent les mêmes attaques et les mêmes actions en fumée, les mêmes attaques et les mêmes actions en néon, les mêmes animations en etc. Ah là là. Voilà, et c'est ça qui est un petit peu énervant. C'est un choix de game design, moi ça m'a un peu énervé, je vous le facilement, je reconnais, plus, ouais. Alors, par contre, là, du coup, je vais être embêté, il faut que j'aille rechercher un petit peu de trucs. Donc là, on peut voir ces camions dans lesquels il y a des noyaux, ces camions ont DUP. Et alors, justement, ce que j'aimerais, c'est récupérer une sorte de chaleur. Bah oui, Adrien Lamel demandait, hein, justement, est-ce qu'en dehors du feu, il y a d'autres éléments comme pouvoir, glace, terre, électricité? On n'en dira pas plus. Alors, on n'en dira pas plus, je te dis les deux premiers, voilà, qui sont la fumée et le néon. Voilà, qu'on connaît. Effectivement, il y en a d'autres. Voilà. Il y en a des cools et moi, j'ai trouvé un peu moins cool, ça, je peux quand même le dire. Il y en a vraiment que j'affectionne plus, et très honnêtement. On les voit pas suffisamment, c'est ça que tu me disais. Bah, ceux de base, moi, j'affectionne beaucoup. Voilà, ceux d'après, sur la moitié, il y en a qui me plaisent pas trop, et que je trouve moins réussi. Voilà, même si ça reste assez cool à jouer quand même. Hein. Mais voilà, certains pouvoirs sont un petit peu tirés par les cheveux. Alors, ça dure encore combien de temps sous ce temps de merde? Bah écoute, on va changer, au pire on peut loader une autre sauvegarde. C'est juste pour voir un petit peu de beau temps, tu vois. Là, ouais, tout à fait, ouais. Mais là j'explique juste un tout petit peu, donc là tu vois les mecs qui ont peur. Sauvage, c'est parce que Sauvage demande sur Twitter avec le hashtag Infamous Gameblog. Les environnements changent-ils ou alors c'est que de la ville? Alors, globalement, il y a des quartiers. Donc ça change un petit peu, mais c'est que de la ville. Il y a d'autres trucs que je peux pas te dire. Ah, c'est pas des choses que tu connais. Donc je ne veux pas savoir. Pas dans la réalité. Mais il y a d'autres trucs. Mais globalement, c'est quand même très urbain et très de la ville. Très la ville, très Seattle. Ah tiens, Léa Kim, une question intéressante, parce que tu as testé Rise. Ouais. Est-ce que Infamous Second Son est plus beau que Rise? Alors en fait, ça joue à pas grand-chose quand même techniquement. Mais je trouve que Rise est un peu au-dessus. Hein, alors voilà, mais le truc, la différence de Rise, moi je suis pas tellement d'accord, parce que j'ai vu l'ensemble du jeu, il y a vraiment des endroits qui cassent la tronche. Le truc, c'est que dans Rise, c'est des mondes, enfin c'est hyper fermé quoi. Alors que là, tout est ouvert. Et je veux dire, c'est quand même, c'est juste une prouesse pour moi, en tout cas de le voir. Pas sur les compétences de la console, mais de le voir quoi.
Donc en cela, moi je trouve que Infamous est le plus beau jeu next-gen, et globalement moi j'ai vu des scènes qui vraiment me cassent la gueule. C'est, voilà, là c'est un peu moins cool parce qu'on est sur les voir une ou deux, peut-être voir une ou deux, hein, comme... Ouais, ouais, tout à fait, bah écoute, je le fais au maximum, mais attends, parce que là j'ai un petit problème, tu peux voir. Non, parce qu'on me demande encore Mimic, est-ce que tu peux jouer à l'infiltration, s'il te plaît? Ah ok, d'accord, bah écoute, pas de problème, on peut le faire, hein. À mon avis je vais le payer cher, là. Mais voilà, le truc que je voulais vous montrer avec ça, c'est donc j'ai pété le truc de noyau là-bas, les noyaux on les voit ici, hop, je les absorbe. Tac, ça me donne des petits fragments, en fait des améliorations. Enfin c'est des noyaux ou des fragments. Et là je peux les dépenser donc dans le truc que je vous ai montré là. Alors, par exemple, dans le drainage de fumée, voilà, hop, ça me permet d'aller plus vite dans le drainage, donc on peut voir quelques trucs, voilà. Caméra complète, ça permet d'avoir un pouvoir là particulier. Il y a chaque pouvoir a un finish. Et on peut voir qu'il y a des pouvoirs qui requièrent du karma magnifique. Mmh. Voilà, mais globalement, le truc qu'il faut quand même retenir aussi sur les pouvoirs, c'est qu'ils ont des troncs communs, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser assez. Oh, tu t'es pris une belle mandale. Ouais, mais lui, c'est un gros, c'est pour ça que c'est la première fois qu'il nous montre ce gros-là. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors, t'as pris où mon fragment? Ils ont un espèce de tronc commun, c'est-à-dire que souvent, bah, par exemple, avec R2 ici, on va souvent utiliser le tir. Mmh. Voilà, et ça va être une forme de tir un peu différente pour chaque pouvoir, mais c'est toujours un peu ça. Là, sera toujours la touche de déplacement, même si les déplacements sont très différents. C'est ça qui est cool pour les pouvoirs, c'est que vraiment chaque pouvoir a son type de déplacement. On va pouvoir utiliser par exemple des espèces de missiles, et là aussi tous les pouvoirs longs avec L1, etc. Quoi. Mmh. Donc, du coup, il y a quand même quelques dénominateurs communs, même si les pouvoirs sont quand même très différents. Hop, le déplacement du néon par exemple peut grimper au mur, etc. Donc c'est pas du coup la même chose. Donc je vais pas m'attarder sur ce fight là parce qu'il y a un certain temps je vais te demander de switcher. Il dure, il dure un petit peu. Ouais, on va passer en plateau. Regardez, il n'y a plus que nous. Voilà, c'est vous ne savez pas ce qui se passe. Donc vous ne savez absolument pas dans quel menu se retrouve Mimic. Tout à fait. Des menus qu'il ne faut surtout pas qu'on vous montre. Alors, ça serait bête de vous dire que Mimic joue en difficulté très facile. Ouais, effectivement. Alors, bouge pas. Donc, je crois que c'est celui-là, on était d'accord, hein, il me semble. Je crois c'est celui-là. De 18h et quelques. La sauvegarde de 18h et quelques. Je peux remettre. Non, c'est celle de 3h52. Ah, pardon. Parce que quand je joue en easy, ça me prend beaucoup de temps. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Donc, je peux repasser en. Non, en attends un tout petit peu. Je veux pas être sûr qu'il y ait d'erreur. On va revenir sur quelques tweets. Il y a Gaëtan Amarap qui demande sans spoiler comment est la fin. Question intéressante. Écoute, hein, le truc c'est que moi la narration je l'ai trouvé meilleure qu'avant. Je l'ai trouvé vachement cool parce que les personnages sont vraiment. Tout l'univers est pas manichéen du tout et ça c'est vachement agréable. Le seul truc bémol que moi j'aime pas, c'est qu'il y a certains personnages que j'aurais voulu. Personnages secondaires que j'aurais voulu voir plus développés. Sorti de ça, c'est pas non plus de la folie en termes de narration. Hein. C'est classe, ça fonctionne, c'est bien fait, c'est agréable. Voilà, les dialogues fonctionnent plutôt bien. Tiens, ah bah c'est bon que t'as pas c'est mis bon l'image. Non, t'as pas mis l'image, t'attends, ah, c'est d'accord. Parfait. C'est vraiment très très bien. Vous avez du son, hein, c'est super, vous savez qu'il est en train de jouer. Ouais, mais vous avez pas d'image. Juste un truc, mais c'est très bien. Hop, je vais terminer ça. Pourtant, il fait le truc de ouf. Non, ne dis rien, merci. Ah non, mais je. Voilà. C'est juste que. Oh là, ce qu'il est en train de faire, c'est incroyable. Ok, là tu peux balancer la sauce. Ah merci, quand même. Ok, on est. Alors, on met un petit peu de jeu. Et donc, je me rappelle plus de la question, j'ai oublié. Tac. C'était sur comment il a faim. Ah oui, voilà, et donc je vais profiter pour parler de la narration, voilà. Donc que je trouve très très cool, mais je répète, on n'est pas sur un Last of Us ou un truc comme ça. Hein. Mais c'est très cool, très bien amené, la relation de Delsin et son frère est vachement sympa. Et en cela, je trouve que Infamous a vachement grandi dans sa manière de présenter les choses. Voilà, il n'y a pas de surprise monumentale, mais c'est une histoire qui vraiment qui a des portées sociales que j'aime beaucoup. J'en parle dans le test, notamment avec l'intégration des porteurs, etc. Le racisme quelque part, les problèmes sociaux, les dangers que ça peut engendrer, ce genre de personnes, et les portées de ça entre Delsin et son frère, c'est vachement cool, et le fait aussi que ce sont des Indiens dans une réserve, c'est pas un hasard non plus. Et donc ça c'est vachement cool, et alors pour te dire à la fin, ce que je peux te dire c'est qu'à la fin tu continues à jouer dans le monde et tu peux explorer ce que tu n'as pas exploré. Donc voilà, et oui, moi j'ai trouvé la fin cool, de là à dire que c'est dingo, non, mais c'est cool. Est-ce que c'est une fin unique ou quelque chose qui varie en fonction de tes choix, demande sauvage? Alors en fait, dans le 2, il y avait ça. Je ne l'ai pas fait parce qu'il faut le faire le jeu deux fois pour le coup, et c'est-à-dire il faut être en karma bénéfique ou en karma négatif. Mais gentil alors. Hein, alors moi j'étais plutôt gentil. J'imagine qu'il y a une deuxième fin, mais j'en suis pas sûr à 100%, mais ça me paraîtrait tout à fait logique. Voilà, après la portée des choix, je le répète, est pas non plus dingo, et ça te permet de voir par exemple. Certaines missions alternatives lorsque tu choisis d'être positif ou négatif, c'est certainement clé des choix, mais c'est pas non plus des choix dingo qui vont transformer le scénario. Quoi. D'accord. Après, et là, on en est où justement niveau scénario et surtout niveau mission? Alors, qu'est-ce que t'as à faire? On est à peu près à deux tiers du jeu.
D'accord. Quand même, donc il faut que je fasse attention à ce que je fais. Et donc là, on va, par exemple, je vais vous emmener dans un petit quartier. Oui, il y a des drones, effectivement. C'est des choses qu'il y a à acheter. Il y a plein de trucs à récupérer dans la ville. Donc voilà, donc on va se balader, tchac. Et alors, on va continuer. En tout cas, il y a ça, ok, je fasse attention, tac. Et donc, on va aller dans un. Alors, hop, c'est ça, faut pas se tromper de menu. Je vais choisir une petite cible et on va aller faire un carton. On va aller nettoyer un quartier si on peut. Ok. Alex Power Colt nous dit : je préfère la tronche de Cole, il avait l'air moins con. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Je vais juste en lire le lire, voilà, c'est comme voilà, ça, c'est ce que tu veux que je trouvais cette remarque pertinente. Donc, ok, tout à fait, bah écoute, c'est bien. C'est, je suis très content pour. Voilà, c'est super. Je vais mettre un petit marqueur là-bas. Hop, et on va y aller. Il y a Shore qui nous dit je vais avoir une PS4 la semaine prochaine. Bravo. Oui, sans réservation. C'est effectivement, c'est un jeu qu'il faut avoir. Et Infamous Second Son sera mon premier jeu PS4 et la meilleure exclue. Tout à fait. Pour l'instant, effectivement, c'est plutôt bon. Donc là, regardez, je vais prendre le néon, on va changer de pouvoir. J'y arrive. Hop, tac, on peut voir. Il y a quand même des passants et tout. Oui, il y a des passants, mais en fait, il faut comprendre, c'est une zone de guerre. Donc tu fais attention. Ce qui est cool avec les passants, c'est qu'effectivement, il y a des passants et du trafic. Là, on est un peu dans le bordel du jeu, donc voilà. Mais il y a des passants et du trafic. Et ce qui est cool, c'est qu'ils réagissent à ce que tu fais. Donc si tu fous le bordel, etc., ils se mettent à crier et ils se barrent. Donc t'as l'impression qu'il y a moins de monde, forcément, puisqu'ils se barrent, ils s'éloignent de toi. Mais ils reviennent au bout d'un moment, donc il y a quand même de la vie dans la ville de Seattle. Je crois que je peux pas revenir en arrière, j'ai peur de ça, mais je serais surpris quand même que je puisse pas. Ah, il y a Julien Eckel qui demande si l'IA des ennemis a été revue par rapport aux deux premiers épisodes. Franchement, c'est pas dingo. Par contre, ils ont été forts dans le sens où les ennemis peuvent être quand même super dangereux avec leur nombre. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis différents, enfin, il y en a quand même, hein, mais je veux dire, c'est pas non plus ouf. Oula, est-ce que ça a marché ça? Je ne sais pas moi. Je vais essayer. Mais non, j'y crois pas une seconde. Ah, mais non, ah là là, vous allez voir l'eau, voilà. Live, hein. Hop là, poum, et voilà, fin de l'histoire. Ça, c'est quand même ouf, hein. Moi, ça me rend dingo. Alors, est-ce que c'est le bon endroit? Je crois que c'est le bon endroit. Il m'a ramené le bon endroit. Ah, bah, c'est une bonne chose. Ah, mais je crois que oui, hein, c'est le bon endroit. Hop là, L'eau 67, pardon. Qui demande quel est le karma est le plus intéressant selon toi. Moi j'ai fait le bénéfique, j'ai discuté avec des gens qui avaient fait le maléfique et apparemment le maléfique serait le plus intéressant. Ah ouais. Parce que plus puissant, voilà. Ah, ouais, plus impressionnant, plus facile. Le côté obscur bien sûr. Voilà, c'est plus rapide, plus facile, plus séduisant. Effectivement, on est tout à fait d'accord. Et non, il ne m'a pas ramené au bon endroit. Ah, je suis comme un con, bon, c'est pas grave, on va aller là-bas. Est-ce que le personnage d'upgradable, les pouvoirs, finish, ou ça dépend seulement du karma? Merci de... J'ai pas compris la question exacte. Est-ce que le personnage est upgradable? Oui, bah oui, puisqu'on les l'a vu, pouvoirs, on peut choisir. Les finish. Oui, tout à fait, oui, bien sûr, les finish aussi. Et par contre, il n'y a qu'un seul finish par pouvoir. Oui, tout est upgradable, mais en fonction, c'est toi qui choisis un petit peu où tu mets tes points. Après, tu peux démerder quand même pour tout avoir à un moment. Donc, c'est des choix qui sont au début, j'ai envie de dire. Après, tu peux quasiment tout avoir. Attention, le tweet qui tue. Vas-y. De XEF Steve, oui. Qui dit « Ne spoilez pas la fin, FIM ». Et voilà. Et voilà. Tu viens de toucher la corde sensible. C'est que nous ne devons encore pas manger. Et que nous n'avons pas de pizza. Effectivement, pas cette fois. Et donc, ça va être ton running gag de toute façon de chaque live, c'est qu'on oublie chaque fois de manger et de commander des pizzas. Oui. Donc du coup, écris pas le mot fin, ça va nous mettre en colère. Et donc ce live va mal se passer. Vous vouliez voir un petit peu ce que ça donne avec du beau temps, donc voilà. Quel est le point le plus haut de Seattle et savoir si c'est l'espèce de c'est la Space Needle ou je sais plus quoi qu'on doit voir quelque part. Hein. À la limite, on pourra essayer d'aller dessus. Hein, non, pour, je suis pas sûr que je puisse aller jusque là. Ah ouais? Ouais. Parce que je suis dans la deuxième partie de la ville. Moi je peux quand même aller assez haut, mais je peux pas vous emmener non plus n'importe où. Mais je crois qu'on la voit, elle est là-bas. D'accord. C'est la Needle que tu peux voir là-haut. Très bien. Et qui en fait tu commences le jeu plutôt dans cette partie là-bas, justement. Ok. Donc voilà. On peut voir cette espèce de petit truc dont je vous parlais là qui est un petit peu agaçant. C'est cette espèce de. Peut-être toi t'as vu, il a tendance à sauter un petit peu. Ouais, j'ai. Là, ça, voilà. Qui est un peu bizarre. Mais bon, ça permet voilà, d'atterrir un petit peu n'importe où sur des rebords et tout, donc c'est quand même plutôt cool. Par exemple, tac, hop, voilà, on atterrit assez facilement. Alors attends, parce que j'ai des questions. Gaëtan Marab qui a une question hors sujet. Oui. Qui demande ce qu'on pense du Project Morpheus. Écoute, moi je trouve ça super cool. Ah bah tiens, ça c'est pas mal. Ah bah, je trouve ça super cool. Plus oui, le Curious Rift en plus. Voilà, bon, le truc c'est. J'ai hâte d'avoir le prix, de voir comment ça va fonctionner et tout ça. Enfin, je me dis que bon, il y a peut-être. Ça va peut-être être un petit peu trop. Trop cher là, attends, je vais essayer. Hop là, tac, un des pouvoirs là, vous pouvez voir, ça va stunner tout le monde. Bing, hop, là tous les mecs sont stun. Hein, si je peux me faire, et je peux donc les assommer, tac, et faire grimper ma petite bombe là-haut en haut à gauche. Là, que vous pouvez voir, là, il passe au travers. Hop, tac. Tu sais que toi aussi, t'es une bombe, ouais, retardement.
J'aimerais bien. Ouais, ouais. Alors, attends, parce que là j'ai un problème par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais peut-être la faire à l'ancienne. Bing. Alors, il y a Gélise qui demande simple question. Comment vous êtes-vous procuré un exemplaire du jeu à sa sortie? Bah, comme on est un site professionnel, on a de la chance des fois. Ça nous aide. Les éditeurs nous envoient les versions en test. C'est une version test hein, d'ailleurs. Oui, c'est la version commerciale, non, c'est test. C'est la version test, mais a priori, on finit. Ouais. C'est exactement la même chose. Boum boum, et là pour voir la réaction en chaîne aussi tant qu'on y est, paf paf, ça a fait péter, j'ai détruit la bagnole bleue et ça a fait péter celle d'après, ce qui est quand même plutôt cool. Ça fait une petite labine, y a pas de raison, hein. Ouais, ça pète après avec des petits morceaux partout. Il y a Gibson25 qui demande si le jeu propose un New Game Plus. Tu peux refaire le jeu, tu peux continuer le jeu avec les pouvoirs acquis, j'ai pas regardé si tu pouvais repartir... De zéro. Non mais quand tu repars de zéro en fait c'est... Non non. J'en ai pas vu. C'est vrai? Non, non, j'en ai pas vu. Alors, je vais vous montrer encore un petit peu toujours pareil les réactions chaînes, à voir si ça fonctionne correctement. Voilà, ça a fait péter celle-là, avancer celle-là. Ah, Diego El Toro qui nous dit la qualité de l'image est pas terrible, ça pixelise et je suis en source. Bah ouais, mais ça ouais, faut appeler ça, Twitch. Là, ouais, ça, faut te plaindre à Twitch. c'est pas notre faute. Voilà, on y est pour rien. Hop, bon, peut-être qu'un peu, mais pas beaucoup. Hop, on va continuer par là-bas. Tac. On va rentrer dans un camp de DUP, là ça va être un peu le bordel, je vous préviens, ça va faire mal. Là je vous le disais, on rappelait les petites cages comme ça à ouvrir. Hop, je commence à la péter là, hop, j'ai du karma négatif qui monte. Et là ça va commencer à énerver tout le monde, alors attention les gars. Ça va player. Alors il y a Alex Powercall qui demande, la populace réagit-elle par rapport au karma? Parce que oui, dans le premier, tout à fait. Ça le faisait kiffer. Et là c'est génial parce que genre quand moi par exemple tout le monde me kiffe et donc les nanas me disent ah oh, et moi Emmerich bien sûr le vieux fantasme tu sais. Bah oui. Non Delsine j'ai envie de faire des bébés avec toi, t'es un mec fantastique etc. Normal. Donc ça me faisait moi aussi beaucoup marrer, il y a plein de réflexions différentes, c'est très agréable effectivement, je l'ai indiqué dans le test ça aussi, mais les femmes voilà. Le disent aussi hein, dans la vie Emmerich je veux faire des bébés avec toi. c'est bien connu. Ouais pas toutes hein, il y en a qui se barrent aussi. mais voilà, donc en cela oui ça fonctionne toujours pareil et c'est même très très cool. Tiens, je peux donner le néon. Il y a Carambars qui demande si les boss sont cool. Oui, le dernier boss envoie un pâté énorme, moi j'ai surkiffé le dernier boss. Après, y a un autre boss, enfin les fights de boss sont bien, les fights de boss sont plutôt cool. Ouais. Voilà. Après ça révolutionne pas encore là, le genre, le dernier est vraiment un fight techniquement hyper impressionnant. Mm. Voilà, après il n'y a rien de révolutionnaire dans le jeu, faut pas se tromper. Et voilà, il n'y a rien qui révolutionne complètement la recette ou voilà, même en termes de boss et tout ça. Ah, entre dans la zone interdite. Ouais, la zone interdite. Exactement. Zone interdite. Alors, on peut voir par exemple un des autres pouvoirs que j'ai développé, c'est que là par exemple je peux tirer sur la tête des mecs pour les tuer direct. Oh, hop là, tuer, c'est pas sympa. Il faut que j'explique aux gens quand même. Là, je vais m'en prendre une, alors faut que je fasse gaffe. Ouais, faut que je me tire parce que ça sent pas bon. Oh oui, ça sent très mauvais d'ailleurs. Passe pas moi. J'ai pas le bon pouvoir. Attends, faut vraiment que je m'en aille. Tiens, Gaëtan Marab qui demande si les environnements destructibles c'est du précalculé. Alors, non, pas les trucs que tu peux vraiment détruire. D'accord. Non, par contre, le problème c'est que ça reste quand même un peu bizarre toujours de pas pouvoir péter ça par exemple. Voilà, moi je vais péter cet immeuble, je peux pas là. Ça c'est chelou quoi. Bah, et les Hakim qui demande si la carte est assez grande. Oui, je peux même te la montrer. Ah, bah ça c'est une bonne idée. Alors montre-nous un petit peu. Ça c'est la deuxième partie de la ville, je vais pas trop m'étendre là-dessus. À quelle échelle? Et là. Échelle à 500 millièmes partie... Écoute, je sais pas exactement. Ce qui est sûr, c'est que là, tu vois, par exemple, moi j'ai enlevé un quartier, j'ai libéré un quartier, deux quartiers, trois quartiers, quatre quartiers, cinq quartiers avec l'autre. Donc voilà, mais il y a encore tout ça à faire et tous les quartiers à libérer si on veut. Il faut baisser l'influence des DUP dans ces quartiers là et pour ça il y a plein d'activités qu'on va pas décrire là mais que j'ai toutes décrites dans le test, donc je vous renvoie là dessus mais en ah gros... oui, n'oubliez pas d'aller voir le test hein. Oui, effectivement. Regarde, il est en home de Gameblog, faites-vous plaisir. Voilà, tout le monde, comme tu peux voir il y a des piscines qui arrivent, voilà, ça va pas me plaire. Allez, ça va péter quand même, voilà, c'est mieux comme ça, hop. Et donc du coup, c'est quoi, je me rappelle plus, les explosions précalculées, c'était ça? Non, ouais. pas pour ce qui pète, pas pour ce que tu peux péter. Ouais. D'accord. D'ailleurs, donc je voulais montrer aux gens, voilà, c'est ça, là, par exemple, et là, je peux choisir, par exemple, d'épargner le mec, je le tiens dans les jambes, et ça va l'immeuble, il faut que je fasse gaffe, parce que là, c'est quand même... Hop là, oula, c'est flash. Hop, ouais, bah c'est ça, hein, c'est le principe du... Ah, puis il y a ça, cette toile là-haut, là, tac. Là, le coin est un peu chaud. Et donc, si j'arrive à voir le mec, voilà, là, vous pouvez le voir au fond, et si j'arrive à lui toucher exactement les jambes. Les beuges. Voilà, hop, il a été immobilisé.
D'accord. Et donc ça me rapporte des points de karma et non pas des points de destruction, machin. Je crois que j'allais m'occuper de cette tourelle, c'est ça qu'il est en train de me dire là-haut. Hein. On va attendre un tout petit peu. Okay, on parlait de l'IA aussi un moment, oui. Donc c'est pas très très malin, mais c'est le nombre qui fait la différence. Et le niveau de difficulté aussi. Parce que les mecs peuvent être extrêmement nombreux. Et là pour le coup ça devient un peu plus tendu. Là on peut voir qu'il y a une petite interaction, je passe derrière le truc, hop, et là j'utilise toujours le pavé tactile pour péter la chose. Alors il y a Carambars qui demande si toute la ville est accessible sans chargement ou pas, et si ça fonctionne par zone. Alors ça fonctionne par zone, mais toute la ville est accessible sans temps de chargement. On peut le voir ici, tac, et en fait voilà, c'est en gros, il y a deux parties dans la ville, celle-là et celle-là, et ça, donc quand t'es dans une partie, t'as accès à toute la partie en fait. Ok. D'accord. Voilà. Wow, bien tendu ici. Quoi, hein, au niveau des effets spéciaux et tout le tralala. Ah bah ça y va. C'est quand même joli. Ah c'est très très joli. Hein. Après, il y a, je vous dis, les autres moments de la journée, il y a la nuit où vraiment c'est très très beau parce que. Hop là. C'est très très beau parce que tu as là, la flotte qui est mise sur le sol, en fait la réverbération de la flotte, etc. C'est vraiment super beau. Mmh. Là aussi on peut le voir d'ailleurs un petit peu, mais ça c'est du truc qui est vraiment posé dessus, ça ne bouge pas. C'est pas du temps réel, c'est pré-calculé pour le coup. Donc voilà, mais sinon effectivement voilà, c'est une très très belle vitrine technique pour Sony. Et c'est un jeu qui est très plaisant à jouer, très confortable, même si voilà, il ne révolutionne rien de ce qu'on connaissait déjà avant sur la série, et rien en termes de même de monde ouvert, ou voilà, il n'y a rien de révolutionnaire. Pour autant c'est bien fait, carré, plaisant à jouer avec une bonne narration. Mais c'est une ville qu'on connaît pas pour une fois. Oui c'est vrai, Seattle, pas New York pour la 100 millions de fois comme d'habitude, ouais. les trucs qu'on connaît bien effectivement. Alors, je peux vous montrer un autre petit pouvoir là, qui est sympa, qui permet donc de faire traîner les gens. Alors Léon SK, tu nous poses une question bien technique quand même, hein, qui est hors sujet. Quel débit montant et descendant avez-vous pour avoir la qualité de ce stream? Oula, on n'en sait rien. Et franchement, je vais pas te mentir, on a vraiment une connexion pourrie. Mais elle est pas terrible ici, ouais, ça c'est vrai. Elle est bidon. Elle est pas terrible. Donc voilà. Alors il y a Gibson25 qui nous demande, pouvez-vous nous montrer d'autres environnements comme la forêt? Si c'est possible, bien sûr. Très poli. Je vais essayer de te le montrer. Parce qu'il est très poli, j'ai envie d'y aller. Oui, effectivement, maintenant on peut pas passer un temps fou dans cette. Voilà. Dans cette truc, parce qu'en fait on n'y a pas vraiment accès en fait. C'est souvent de l'urbain comme ça, ou alors c'est la plage comme tu peux voir ici, et les quartiers qui ont différents thèmes, mais globalement effectivement là on est, enfin je vais pas pouvoir, je pense pas que je puisse t'emmener jusque là-bas qui est la forêt en fait, dans mon souvenir elle est là-bas, elle est au tout début, mais il y a des éléments de forêt. D'accord. Maintenant pour y aller, ça va être un peu plus compliqué. Alex Power Colt qui demande, les cinématiques en BD sont-elles toujours là? Oui, il y en a tout à fait, oui. C'est les souvenirs des porteurs que tu croises, voilà, tout à fait. Et ça te raconte évidemment un peu l'histoire, ce qui s'est passé un petit peu avant. Et c'est plutôt sympathique et bien dans le ton. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt cool. Et ce qui est cool, c'est que chacun des porteurs est un. Alors, peut-être un petit peu cliché au début, mais quand on commence à creuser un peu, enfin, quand on apprend un petit peu leur histoire, etc., c'est plutôt pas désagréable. Moi, j'ai bien aimé. Même si, voilà, je trouve que certains sont pas assez fouillés. Mmh. J'aurais vraiment aimé qu'on aille un peu plus loin pour cela. Alors, Pixel Marissou, question importante de Pixel Marissou. Attention, tu es prêt? MGS5 ou Infamous? Je veux dire, c'est au niveau du choix de l'investissement en sous, c'est ça la question. Ah bah, non. Moi, je prends les deux, mais sinon, très honnêtement. Tu joues la facilité. Le truc, c'est qu'on a mis la même note, donc elle est maligne, très intelligente. Oui, effectivement, moi, je dirais plus Infamous. D'accord. Voilà. Je dirais plus Infamous parce que finalement, c'est quand même plus long. C'est plus. Techniquement, ça lui pète la tête à Snake. Donc voilà, et puis c'est tout, voilà, je m'arrêterai là pour le reste. D'accord. Mais oui, moi je dirais plus Infamous, ouais. Ton choix. Tout à fait. Toi tu choisirais par contre? Non, moi je choisirais rien du tout, j'ai pas fini la démo d'MGS et Infamous j'y ai pas joué. Donc je vais pas choisir. Certes. J'ai encore parlé de démo pour MGS, hein, là. Ouais, tu viens de le dire, ouais, mais en fait, tout le monde le dit. J'arrête pas de le dire, putain, mais... Et la vraie question, c'est est-ce qu'on se dit démo parce que... Voilà. Je me dis démo parce que... Parce qu'il y a eu la démo d'MGS 2, en fait. À cause du tanker, ouais. Voilà, ou alors parce que c'est à cause du contenu. Non, c'est à cause du tanker. Voilà, merci. C'est parce que pour moi, comme c'est un prologue, pour moi, c'est... Oui, c'est... Je pense au tanker, donc je fais le raccourci à démo. Et je m'en veux. Je m'en veux vraiment. Je devrais pas dire ça.
Tu peux me fouetter? Non, je le fais pas. Merde. T'es sûr? Oui. J'ai été vilain, hein? Non, c'est pas grave. Allez, on va changer un petit peu d'endroit. Mais bon, après, ça reste quand même Seattle, hein, mais... C'était une ville dans laquelle on a vraiment envie de passer ses vacances. Ouh là là. C'est vrai que c'est pas super sexy. Ouh là là, si oui. Alors si jamais vrai, on vous dit, va à Seattle, allez-y. Mais si vous voulez, 100 km au nord, il y a une ville qui s'appelle Vancouver au Canada. Qui est beaucoup plus sexe. Qui est 10 fois mieux. Allez-y. Vraiment, faites les 100 km qui séparent ces deux villes. Il n'y a pas de problème. Parce que Seattle, c'est un peu mort. Un peu gris. Un peu... terne. Un peu terne, dire. Un peu industriel. Alors que Vancouver, ça défend. Alors, ah, donc il y a David qui demande si le bonnet est agréable à porter. Ça leur plaît, ça. Ah, je crois que le bonnet. Le bonnet, c'est un franc succès. Écoute, ah. oui, c'est plutôt cool. Finalement, c'est assez confort. Ça me va pas trop mal, on dirait. Mm. Donc, bon, je vais le garder, je crois. Tu fais bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Steve qui nous dit pourquoi toutes les 20 secondes il y a un trailer de Watch Dogs. T'as dû taper des pubs qui sont indépendantes de notre volonté. C'est, effectivement, c'est. Mais on savait pas que c'était Watch Dogs non plus, hein, si t'as des pubs, donc... Hop là, check. Je te propose d'appeler la police. Alors, c'est voilà, joli. Tu peux voir la forêt ici. Mmh. Voilà. J'ai envie d'y aller. Je ne peux pas rentrer dedans. J'ai envie de me baigner dans la verdure. Non, non, tu vas voir, il y a de... Après toutes ces histoires de particules fines. Il y a un petit souci, hein. Ah. Ah. Hop là, check, check. D'ailleurs, tu sais quoi? On va le regarder un peu. Plus en point info. Et nous y voilà. Et là, la vérité, le coup près tombe, c'est bloqué, hein. Alors Harold, sur Twitter avec le hashtag InFamousGameBlog, merci Harold de nous rejoindre et de nous poser une question. Tu viens d'arriver sur le live, effectivement, et tu nous dis, bonjour les gars, petite question, il faut avoir fait les deux autres pour non. jouer à celui-ci. Non, 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 tu peux arrêter la question, non. 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 T'es sûr? Oui, je suis sûr. Je te la reposerai dans 10 minutes. Ok, ça marche. Moi, je suis prêt à répondre, ce sera la même réponse. Ah, et Darkstroke qui nous dit, perso, je n'aime pas du tout le bonnet. au moins c'est honnête. Alors voilà, donc je vous disais, il y a des petits trafiquants de drogue à choper dans la ville. Il y a des drones à récupérer ici qui nous donnent donc des pouvoirs, qui nous permettent de customiser nos pouvoirs, d'augmenter la puissance. On a des activistes à flinguer ou pas. On va avoir des gens à sauver ou pas. On va avoir plein de trucs à faire, des postes de DPP à détruire. Alors ouais, plein de choix, mais après c'est pas des choix qui sont hyper lourds de conséquences non plus. Ça concerne vraiment les pouvoirs et quelques missions qui sont légère variante de mission, mais c'est pas ouf non plus. Donc voilà, et puis ah bah tiens, on va utiliser un nouveau pouvoir. Je vais pas montrer. Ah, j'ai l'épée de Raziel. Si je survis, entendu. Ah là, mon petit pouvoir, je peux frapper au sol. Ah ouais, non, mais il y a de quoi faire. Là, on peut voir ce petit pouvoir bien sympathique. Là, il a flippé tout de suite, mais moi je l'ai tué parce que je suis un salaud. Vraiment, alors, tu vas en soirée. Et... Ouais, ça envoie du lourd. Et les petites caméras aussi à péter. Ils font donc baisser, par exemple, le truc passe sous le contrôle, le contrôle du DUP dans la zone baisse. Donc je vais continuer sur cette optique. Le mec m'a, hop, boum, un petit coup dans la tête, ennemi pulvérisé, et on aime bien pulvériser les ennemis. Mais alors, on va, hop, celui-là c'est pas la peine, bon, on voit pas pulvériser. Alors, c'est Marissou qui demande, le jeu n'est-il pas trop répétitif à la longue? Ah putain, je me suis fait baiser bêtement. Oui, c'est un petit peu le problème, ce que j'expliquais, vu que les pouvoirs sont cloisonnés, on fait souvent un petit peu la même chose, au sein des pouvoirs en fait. Et ça c'est un peu relou. Donc là il m'a reloadé directement l'endroit, bah c'est con, tu sais quoi. Je vais le réemmener là-bas, tac, parce que moi ça m'a plu justement de pouvoir vous montrer ça. Donc on va aller là-bas, tac, tac. Oui, c'est un petit peu le souci, c'est quand on est au sein du même pouvoir, on fait souvent un petit peu les mêmes actions. Donc ça c'est un peu compliqué. Voilà, maintenant le truc qu'il faut voir aussi là, c'est que... Je veux pas avancer dans l'histoire là où je suis parce que je ne peux pas, je vais vous spoiler des trucs. Ouais. Je vous montre le deuxième pouvoir. J'ai déjà le troisième qui est là, mais je peux pas vous le montrer, je fais tout pour ne pas vous le montrer. Ah, vous montre pas, voilà. Et le truc c'est que voilà, on suit quand même une aventure. Hein. Je veux dire, c'est pas juste un bac à sable où on se balade et c'est tout. Là je vous montre quelques activités annexes. D'accord. Mais je veux dire, le principe du jeu, c'est pas ça. Effectivement, vous pouvez vous arrêter sur un quartier. Je passe. Oh, là, le petit jeu de caméra, là, je passe, t'as vu, trop sympa. Ouais, pas mal. Hop là, je vais merder par contre. Hop. Mais alors, tu vas pas nous montrer de mission du coup? Je veux pas vous en montrer. Je vais vous montrer comment libérer un quartier. D'accord. Mais voilà, après, je veux pas vous montrer de mission spécifique au scénar. Non, là je peux pas. Ou alors, on reprend et on repart sous la pluie. Hein. Oh non. Ah bah oui, les enfants. Non, je peux pas. Et bah oui, voilà. Donc voilà, après. Attends. Je vais pas se gourer ici. Tac. Voilà. Moi je veux pas vous. Mais je peux vous montrer effectivement comment libérer un quartier. C'est d'ailleurs ce que je vais faire là.
c'est très bien que je sois dans cette partie de la ville, ça va m'arranger. Je vais repasser en fumée pour changer un petit peu. Donc comme je vous disais, il y a plusieurs pouvoirs, donc plusieurs manières de se déplacer aussi. Et ça, ça a quand même son importance. Puisque chaque moyen de déplacement est un petit peu différent du précédent. Ça, c'est plutôt, plutôt agréable. Il y a Jalis qui nous demande, dans les deux volets précédents, certains pouvoirs, sniper, grenade, se débloquaient en mission. Et maintenant? Non, j'ai pas vu ça de truc. Alors peut-être parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a des quêtes annexes et du contenu. Et ils en ont rajouté là avec la nouvelle mise à jour. Hmm. Donc peut-être qu'il y a des trucs dans ce goût-là. Mais là, non, moi j'ai juste vu, je récupérais des cristaux, et enfin des noyaux, et à ce moment-là, j'allais chercher tel ou tel pouvoir. Je vais vous montrer la discreto, son essai, tac, hop, voilà. Là, on est sur le drainage néon, donc on peut voir un petit peu tout ce qu'il y a, qui sont en fait des spécialités au sein d'un même pouvoir. Là, on est sur la fumée, et là, on est sur tout ce qui est corps à corps. D'accord. Voilà. Évidemment, en bas, il y a d'autres pouvoirs. Et donc j'ai pas vu de mission spéciale pour ça. Alors, est-ce que je suis au bon endroit? Ici c'est 90%, ok, donc qu'est-ce que je peux faire pour baisser leur pourcentage? On va aller péter la truc du DUP, je pense qu'elle doit être par là. Elle est où la base du DUP? Tac, tac, elle est là, et bon on va aller là. Bon, comme j'ai bossé aussi, il y a déjà beaucoup moins de trucs à faire que normalement il y a pas mal de choses à chercher. Il y a des témoins, il y a des agents infiltrés des DUP dans la foule. Il faut les trouver, il faut les spotter. Et comment tu fais ça justement? Alors en fait, on te file la mission, le portrait du personnage apparaît, il faut le trouver. Ouais. Et après, il va s'enfuir quand tu vas le voir. Il a des pouvoirs un peu particuliers parce qu'en fait, les DUP, certains DUP ont hérité d'un pouvoir d'un autre porteur. Et ça va, du coup ils peuvent se téléporter, etc. Donc il y a une poursuite qui s'engage dans ce cas-là. Et puis voilà, faut choper le mec en fait, tout simplement. C'est un des trucs à faire. Après il y a les trafiquants de drogue aussi à affronter ou à neutraliser, puisque là encore t'es pas obligé de tous les tuer. Mais j'espère. Parce que hein, c'est pas bien de tuer tous ces gens, ils n'ont rien demandé, ils sont peinards. Bon, peut-être pas les militaires. Non, là, c'est pas cool, là, je prends des risques en plus avec l'autre. Ah là là. C'est risqué. Est-ce qu'il y a encore des montres, demande Dark Rock? Des montres? Non, j'en ai pas vu. Ah. Je n'en ai pas vu du tout. Et donc, il nous remet au même endroit, ce qui est quand même pas arrangeant pour moi. Je n'apprécie guère son attitude. Ah oui, c'est antipathique. Ouais, c'est un peu désagréable. Donc voilà, et puis après, bah, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le jeu. Hein. Je vous renvoie sur le test pour le reste. Bah voilà, c'est fini, salut. Non, on déconne, hein. Vous inquiétez pas, on va essayer de montrer des petites sections quand même. Ouais. Là, tu t'es parti pour libérer le quartier, hein, juste avant. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, tu vas essayer de le faire. Bah, je vais essayer de le faire de genre, comme il faut. Ouais. Tac. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il me renvoie là-bas parce que bon, c'est le problème de ces jeux à sauvegarde de points clés. C'est que voilà. Hop. Ah, alors, il nous dit que même avec la qualité du stream, le jeu, on voit qu'il est magnifique. Ah non, mais c'est super beau. Il n'y a aucun doute là-dessus, hein, je veux dire. Alors, David qui demande pourquoi un décapsuleur dans le collector. Il y a quelque chose à décapsuler? Il boit de la bière, lui? C'est un jeune. Ah, bah voilà, t'as répondu à la question. C'est un jeune. Ouais, après, je réfléchis, en fait. Qu'est-ce qui aurait pu me... je réfléchis, décapsuleur... Bah, je vois pas non plus. Je sais pas, il y a beaucoup d'Indiens qui boivent dans les réserves, non? Je sais pas. Enfin... Oh là là, tu es en train de dire que tous les Indiens sont alcooliques? Non, c'est toi qui viens de le dire. Non, c'est toi qui viens de le dire, tu viens de le penser. Il y a beaucoup d'Indiens qui boivent. Ouais, bientôt on va parler des Bretons aussi, dans le premier, c'est ça? Mais alors, ils boivent beaucoup de cidre en fait. Ah ouais, tu viens de parler de fumble à un moment, c'est ça que tu veux dire. Ok. Non, je ne le permettrai pas, mais non, je sais pas pourquoi. D'accord. Ah non, alors Dark Rock voulait dire des monstres, pas des montres. Ah d'accord, ok. Donc tu veux dire des ennemis en fait. Ouais, voilà. Mais non, des j'étais en train de réfléchir qu'est-ce qu'il voulait, quoi. Ou alors il y a des ennemis différents, il n'y en a pas non plus énormément, mais il y en a. Et qui effectivement se battent tous de certaines manières. Il y en a 5 ou 6 à peu près dans le jeu, sans compter les boss. Donc ils reviennent quand même assez souvent. Mais oui, ils sont plutôt cool, hein. Il n'y a pas de problème. Et je te dis, certains ont hérité de pouvoirs un peu particuliers, pour vous décrire, et qui du coup sont un peu particuliers à abattre. Il faut les abattre d'une certaine manière, avec certains pouvoirs même de préférence. Donc voilà. D'accord.
Alors regardez, je vais essayer d'arriver en infiltration discrète derrière le mec. Hop, voilà, paf. Avec un bar qui me dit plume, en mode hors sujet évidemment. Je suis sur Lord of Shadow 2, le moment avec le marchand de jouets est vraiment génial, elle a pu pétir un peu exact. C'est très très bien ce moment. On va essayer de trouver un endroit où on va pouvoir se fighter correctement. Il y a Jelly qui nous dit des capsuleurs pour la binouze qui accompagne le jeu. Julien et Cal, pensez-vous... Attention, on va commencer à te faire péter là, donc, vous allez voir, maintenant. Ah, bah alors là. Ah là là, je... Hop. Non. Non, tu peux crever encore. C'est pas possible. Oh là là. Et là, j'ai une petite technique, j'ai un truc que j'ai développé, ça me soigne quand je passe par les conduits là. Ah, pas mal. Je vais aller chercher tout de suite. Tu l'as breveté ou pas? Très important. Faut que tu y penses pour demain. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est ce truc? Non, je dis ça parce que si tu fais le breveté, tu vas faire de la thune. Du coup, tu pourras rembourser plus facilement le vol de ta carte bleue dans les îles Caïmans. Dans les îles Caïmans. Je vois ce que tu veux. Ah, il est là, le truc. Voilà, donc ce serait indispensable de le faire. Julien Cal qui demande, pensez-vous que Cole pourrait revenir un jour ou que c'est définitivement terminé? C'est fini. Ah ouais? Sincèrement, je pense que c'est terminé. Allez, viens là, toi, et va mourir, c'est toi qui me tue tout à l'heure. Allez, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste là? Alors, il y a Kim qui dit, les gars, ça n'a rien à voir. Désolé, mais avez-vous testé le Project Spark? Non, j'ai téléchargé la bêta là, et je vais m'y mettre. Je ne sais même pas ce que c'est, tiens. Je peux renseigner dessus. Tu te crées des mots, tu dois créer ton propre patron. Tu dois te créer ton beau, voilà, c'est chaud, hop là, voilà. C'est ça que je veux, vite, oui, t'as raison. Ce plan là, ça me va très bien. Hop. Allez. Un truc que je veux te créer. Tu veux créer ton propre univers en fait. Pour résumer simplement. Attends, j'essaie vraiment d'être à toi. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu vas te concentrer. De toute façon, on parle depuis tout à l'heure, mais il faudrait qu'on te laisse un petit peu d'ambiance aussi. Hein. Spectatrice. C'est dommage, il va m'en manquer un là. Ah, je suis triste, j'aurais voulu montrer le super pouvoir, ce qui aurait été bien cool. Tu sais, moi j'aurais voulu être un artiste. Attends, je vais aller chercher le super pouvoir, c'est pas mal. Ah, j'ai plus de. Oh là là, il va m'embêter lui. Alors, tac. Non. Tiens, il y a Pixel Marisou qui nous dit au revoir, qui nous laisse. Hop. Bon stream, ok, à plus tard. Bah, ciao Pixel Marisou. Donc là, on va se barrer le truc pour récupérer un peu de vie, éviter le danger. Je passe encore par le truc. Hop là. Hop, on va filer un petit peu. Tac. Et là, on va revenir. Les ennemis vont nous chercher. C'est plutôt bien. Alors, j'aurais bien aimé savoir où étaient les deux ennemis qui sont là. Voilà, je les ai vus par là. Donc, on va se la faire. Je vais pas répéter comme ça. Voilà. Voyons. Ça rigole pas. Alors, où est-il de merde? Oh là là, il va me tuer lui. Non, je suis pas là. Ah, alors Harold qui nous demande, question hors sujet plume, un live de FF10 est-il prévu? Bah écoute, il est sorti aussi bien sur Vita que sur PS3, oui, tout à fait, oui. C'est possible, mais... je sais pas, c'est vrai qu'après FF10, c'est quand même assez longuet. Oui. Ça prend un peu son temps. Alors South Park, effectivement, on l'a fait hein, la dernière fois, le RPG, parce que bah, c'est bourré de blagues. South Park c'est coloré, enfin voilà, c'est quand même débile quoi. Mais regardez le pouvoir, là je vous en parlais, c'est l'ultimate, le feu. Ils vont être quand même très très haut. Je peux diriger un petit peu où est-ce que je vais trouver le truc. Ici voilà, donc s'il y avait des ennemis, bah ça aurait pété dans tous les coins. Il n'y a plus personne. Regarde, c'est marrant. Eh ben regarde, un joli bug, regarde. Ah oui. Ah, on a trouvé un joli bug là. Ah non, t'es une soifeur d'argent mec. Énorme. Donc un live FF10, on va voir, je sais pas, je vais en discuter avec le patron, que c'est lui qui décide, et du coup, si on en fait un, bah écoutez, ce sera sûrement la semaine prochaine. Je reviens du beatball, plein de beatball, si tu veux. Alors, hop, j'ai repris ma vie. On peut voir les particules aussi, là. Ah ouais, c'est joli. Et ça vient justement du pouvoir que j'ai fait, en fait. D'ailleurs, j'ai vous posé une petite question, vous qui nous regardez et qui êtes sur Twitter avec le hashtag InFamousGameBlog, quels sont les prochains lives que vous aimeriez voir en fonction des sorties, hein, des prochaines sorties de jeux vidéo sur console, sachant que portable, on a du mal encore, hein, pour l'instant on fait pas trop, mais pour les consoles de salon ou PC, n'hésitez pas, dites-moi, tiens, on va faire un petit sondage pour voir ce qui arrive prochainement et que vous voulez voir absolument en live. Il y a Gélias qui nous dit, pouvez-vous mettre la VF pour qu'on puisse se faire une idée? On l'a fait au début, hein? Ah oui, tout à fait. On l'a fait au début, donc faudra que... Bah, il faudra que tu recommences, complètement. Ou alors on verra peut-être après si t'es sage. Rambars qui dit, du coup, c'est quoi le prochain live? Carole me manque. Elle manque à tout le monde. Tu sais, Carole,
Carole, partout où elle passe, après, si elle, une fois qu'elle est partie, ça crée un vide. C'est tellement triste pour nous. Et effectivement, alors j'aime bien Emmerich, hein. Attention, je ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est vrai que Carole, c'est différent. Attention, parce que tu vas me faire dire des trucs, ça va merder. T'inquiète. Non, on l'a vu aujourd'hui, Carole, elle est passée avec son toutou, avec Epona. Ça m'a fait un grand C'était un plaisir. Sacré bordel. Ouais, ça a duré 2 secondes. Hein. Ouais, mais c'est parce que c'est... Ouais, mais... L'éducation d'Epona, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui... Bon. Moi j'adore Epona. J'adore les labradors, j'adore les toutous de toute façon, j'adore les animaux de toute façon. Moi aussi j'aime les animaux. D'ailleurs si vous voulez m'accompagner aux eaux de Vincennes début avril, quand il va ouvrir, sachez que j'y vais. Écoute, j'irai bien avec toi, parce que moi j'aimerais bien revenir avec un gorille. Ah, voilà, donc bah, moi, si y je pouvais, a pas de raison. Je pouvais revenir avec un lion. Tu vois les trucs sympas, regarde là, hop. Voilà, on va... Alors, on t'imagines, tu repars du zoo, t'as un lion. Franchement. Et personne t'emmène dans le métro. Ah bah ça c'est sûr que personne t'emmène dans le métro. D'autre côté, je pense que tu vas pas aller loin. On est, tu vas vite te faire, arrêter, donc. Bon, ouais, bon. C'est dommage, hein, vraiment c'est dommage. Hop là. Oui, une girafe, putain, je serais content. Une girafe serait plutôt cool aussi. Je suis d'accord. Alors, où est-ce qu'on peut. Ah voilà, tac. Hop, voilà, hop. Alors, Maxime Geraci qui nous dit du rétro pour un prochain live. C'est prévu, on achète du matos là en ce moment. On claque la thune pour justement vous faire. Vous préparez un petit live, des petits lives rétro. On peut voir cet ennemi-là, là, regarde, par exemple, lui, il se met dans, sa petite petit cocon pour récupérer de la vie si je vais assez vite. Hop, la trappe par derrière et je le tue comme ça, voilà, parce qu'il est un peu plus solide. Y a Shore qui nous dit je veux bien un live de Trials Fusion qui sort le 16 avril. Et bah écoute, avec un peu de chance, peut-être qu'on aura accès à la bêta sur PC. En tout cas, vous ne l'auriez pas vu. La bêta va être accessible aux personnes qui précommandent sur PC à partir de demain. Donc ça se trouve... Avec un peu de chance, on pourra peut-être vous montrer la bêta. J'espère en tout cas. Ça me ferait vraiment plaisir parce que Trials, c'est un peu l'histoire d'amour avec la rédaction de Gameblog. Surtout avec Poufy. Surtout avec Poufy, ouais. Ce grand malade de Poufy que j'adore, hein. Mais dès qu'il commence à rentrer dans un jeu. Ah, c'est une catastrophe. C'est. Déjà, il y passe nuit et jour. Et il est tellement au-dessus de tout le monde. C'est vrai. Que ça en devient scandaleux. Un live sur la bêta de Project Spark, bah écoute, pourquoi pas. Ça peut être une idée, je sais pas si le rythme est bon dans Project Park, mais... Un peu beau. Ah, bon, alors c'est un peu comme vidéo, moi. Peut-être éviter. Ensuite, nous avons Low67 qui nous dit « Moi, j'ai hâte, j'ai qu'une hâte, c'est après Infamous, c'est Watch Dogs, le 27 mai. » Bon, attends un peu. Ne nous emballons pas. On va peut-être éviter de s'emballer. Alors, visiblement, le jeu plaît. Quoi qu'il arrive. Je pense que je sera bien, mais je pense qu'il est. Mais voilà, après, t'emballes pas techniquement. Voilà. Ce qu'on a dit. Apparemment, il y a eu un sacré downgrade hein, quand même, donc voilà. Alors, JS qui nous dit pour le test, j'aimerais bien voir Kingdom Hearts 3 bientôt. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, attends. Il y a des questions bizarres auxquelles je n'arrive pas à répondre personnellement. Il y a Eddie McFly qui nous dit bonsoir les gars, bon live, Mimi, merci beaucoup. Je te kiffe. C'est gentil. Plume, toujours aussi classieux, bah dis donc. Mais c'est pas ce qu'il est, classe. Ouais, je trouve pas, mais ok, ça me va droit au cœur. Un live de Mario Kart 8, ah là, bah attendez, ça. Oh. Ça, j'ai déjà j'ai mis ma pièce sur Mario Kart 8, les enfants. Y a pas moyen que. Vu que je défonce tout le monde. Tout de suite, je taunte, hein. Oui, bah t'as raison. J'annonce direct que Mario Kart 8, ça se fera pas sans moi. Ensuite, j'aimerais bien vous faire un live Titanfall entre vous. Alors, on va faire un petit récap pour Titanfall, parce qu'on a déjà fait des vidéos de Titanfall. Oui. Vous les avez vues, elles sont sur Gameblog. N'hésitez pas, hein, vous allez sur la case des lives, et vous verrez que dans tous les lives, il y a des lives Titanfall. Mais nous, entre nous, oui. On fait des lives, tout à fait. On commence, en tout cas. Moi, j'ai pas encore commencé, hein. J'attends qu'on soit tous ensemble pour jouer. Mais c'est vrai que sur Twitch, on va commencer à faire des lives. Hein. Julo à son compte, c'est Julox. Tout à fait. Avec 3X. Tout à fait. J'ai mon compte, c'est Plume, mais sauf que c'est avec un V, donc PLVME. Mimique, ton compte, toi, c'est. C'est le bisou. Le bisoutier Gameblog, je crois. Alors le bisoutier avec un Z. Ouais, avec un Z, tout à donc, fait. L-E-B-I-Z-O-U-T-I-E-R. Voilà. Gameblog G-A-M-E-B-L-O-G. Voilà, c'est un peu long. Mais voilà. Mais ça marche. Poufy, je ne me rappelle plus de son Twitch. Tiens, c'est. Je ne l'ai pas dit, mais on va le savoir. C'est relou, mais Poufy, si t'es dans le coin et que tu regardes ce live, n'hésite pas à nous dire, à nous rappeler ton Twitch, et de temps en temps donc nous, entre nous, on va peut-être se faire des lives qu'on va... Oui, qu'on peut balancer, on va twitcher, hein, directement. Donc, suivez-nous, n'hésitez pas, et vous verrez du Titanfall. Et peut-être même du Mario Kart 8, un de ces quatre aussi, hein. Je sais pas si ça marche, c'est sur le... Ah, bah, si, bah, moi je pourrais avec ma carte de capture, personnellement. Oh.
convulsions. Ouais, c'est je peux choper un petit drainage là, hop tac. Alors un live avec Poufy ce serait cool. Et bah écoute Julien et Cal, tu n'as pas tort, c'est vrai que Poufy ce serait pas mal. Ah ce serait bien effectivement, le problème c'est avec Poufy c'est que il va pas parler beaucoup. Ouais mais c'est pas grave. Mais pas il, grave. Est, il est skillé le jeune homme, hein. Il est très très skillé. Alors on en est où ici? Tac, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors un live FF10 2 remaster ce serait cool, ça rappellera des souvenirs de Dizzy Pogon. Bah ouais mais je te dis on va voir avec Julien, s'il pense que ça avec ça, vaut ça le coup. Pourrait être bien sympa effectivement. Un live de Rambo nous dit Léakim, ouais bon allez Rambo c'est malheureusement c'est passé hein. Mais le test est très bien, lisez-le. Les lives Mercenary King, Child of Light, Daylight. Bah ok, Mister Doko, je pense qu'on va faire ça. Child of Light en tout cas c'est sûr on va. J'en ai tellement envie et puis il va y avoir. Cet éclairage de ouf. C'est hyper puissant. Ah ouais c'est joli. Et puis il va y avoir Soldat Inconnu bientôt aussi hein. Soldat Inconnu qui va être un super point and click. Donc je pense que. Alors il y a Antoine, notre bon Antoine qui dit que tu pèses en The Edge. Alors The Edge qui est le guitariste. Ah oui oui d'accord. Voilà. Oui, effectivement fait, ouais. tu fais un peu penser à The Edge dans le clip dans leur clip de l'album. Putain, je sais plus sur quel sur One. Alors j'ai libéré des mecs, des machins. Oui excuse-moi mais moi je travaille. Ouais donc, justement voilà. J'ai des conneries avec, avec les gens qui nous suivent sur Twitter. Il y a T7Q8B qui nous dit bonsoir Plumimique, j'aimerais bien voir un live sur The Evil Within. Bah écoute dès qu'on l'a. Oui dès qu'on l'a, dès que c'est sorti y'a pas de problème on y va. Il y a Xev Steve. Tiens on peut voir là les gens qui me kiffent je crois, il y a quelqu'un qui me kiffe. C'est vrai Kiv, tu peux danser ou pas? Non je peux rien faire de spécial, mais ouais qui m'aime bien. Bah ça c'est ils dommage pas, ils ont pas peur de moi. Ça devrait faire partie des trucs qu'on devrait pouvoir avoir. Genre t'arrives au milieu de la foule. Il y a un mec qui a quand même pris une photo avec son téléphone, je veux dire, je suis quand même une star. Normal, c'est t'es Mimic. Mimic Row, son pouvoir, c'est... Non, pas pour le son. Donc, Xef Steve qui nous dit bisous sur vos deux fesses. Merci beaucoup. On prend. Parce que oui, à nous deux, en fait, on a deux fesses. Faut savoir qu'on a pas... voilà. Sur nos deux fessiers, je pense, si vous voulez dire. C'est ça qui veut dire. Il y a l'eau 67 qui nous dit... Alors, petit HS entre nous, oui. Est-ce que tu trouves pas... que le reveal de Assassin's Creed 5 met un peu de temps à venir. Je sais parce qu'on a des fuites là, donc forcément le reveal complet, du coup il devrait peut-être arriver là. Bah écoute, je serais pas surpris que ça arrive assez bientôt. Parce que Black Flag par exemple, voilà. L'année prochaine, c'est super vite hein. Oui c'est vrai. Mais là c'est de ça va être vraiment le pur next-gen, le jeu pur next-gen. Donc, Bah faut voir, en tout cas les premières photos qui disent que c'est en qui montrent que c'est en France. Si elles oui. sont officielles, évidemment, je ne suis pas. Moi, je ne sais pas. Je sais pas. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas de. J'ai l'impression qu'il y a d'arnaque. Je pense qu'il n'y a pas de question à se poser sur l'endroit. Après, effectivement, là, c'est très, très. Très. C'est ça le chat, putain. Ah, un live plant versus zombie Garden Warfare, pourquoi pas? Ah, pourquoi pas, ouais. On a fait le test déjà. Ouais, on a fait le test, ouais. Bon, c'est sympa, mais c'est satisfaisant, je dirais. Voilà. Et c'est pas ouf non plus. D'accord. Voilà. Bon, alors, on le fera. Alors, du coup, bouge pas, je cherche encore les trucs que je te fais. Ah, Eddie McFly, Cole ou Delsine, votre choix. Cool. Ce qui est cool avec Delsin, c'est tout ce qu'il y a autour de lui. Mmh. Moi, j'aime Cole pour ce qui est Cole. Delsin, c'est un jeune, un peu attardé, un peu con, voilà, qui grandit pendant le truc. C'est un slacker. Et finalement, il n'est pas si con que ça non plus, parce qu'en fait, il est comment dire. Il vient d'une réserve. C'est pas un gars de la ville, c'est un peu ouais, différent des autres, voilà. Et il est pas si con que ça. Mmh. Alors, attends, bouge pas. Là, hop, j'ai des patrouilles à péter. Pète. Mais pour l'instant, on voit pas. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup de missions, quoi. Ah ouais, mais je peux pas faire. Là, non, je te montre des coordonnées, je vais pas te montrer une mission. C'est vrai, tu veux vraiment pas nous montrer une petite mission? Parce que là, on voit à peu près la même chose depuis tout à l'heure. Ah bah oui, je sais, oui. Bah, c'est dommage. Mais ouais, mais dans ce cas-là, fallait accepter qu'il y ait un peu de pluie, faut arrêter d'être exigeant. Au début. Oh là là, ouais, je sais, ouais. Ça y est, ça commence encore à se prendre la tête. Tu peux retourner après hein, pour avancer. Ah, mais moi je veux bien. Hein, pas de bon, on va le faire, allez. Dès que t'auras fini ce que t'as envie de faire là. Ah, tu veux que peut-être que je dégage des menus Non, là c'est bon. Là c'est bon. Je peux continuer. Je crois que là j'ai un autre truc. Je crois que c'est quoi ça déjà, celui-là, je sais plus. Là c'est un poste de scan à péter. Mais sinon après on peut faire des graphes comme tu l'as vu toi aussi au début. Ah, mais tiens, j'ai fait la plupart des graphes du coin. Donc, mais c'est vrai qu'effectivement on peut en montrer. Bah allez, il faut en montrer. Tiens, il y a Shore qui me dit j'aimerais bien voir un live de Wolfenstein The New Order avec des nazis qui ont des mechas. Ok, écoute, je sais pas quand est-ce qu'il sort. Je crois que c'est bientôt hein. Et j'espère surtout qu'il est bien. Parce que les derniers Wolfenstein c'était pas vraiment ça. C'est dommage hein, pour une licence aussi mythique. Ah aussi forte ouais c'est sûr.
un live sur MGS3 Snake Eater pour reprendre les bases de l'histoire. Ah oui, je suis tellement d'accord. Ah bah oui, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Snake Eater, c'est pas mal quand même. Mais surtout les Metal Gear, hein. On devrait faire un marathon de tous les Metal Gear. Ouais, moi je mettrais Twin Snakes, pas le premier. Ah, Twin Snake, ouais, bah, c'est pour le sport. Ouais. On en parlait la dernière fois. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, hein, parce qu'ils ont trouvé ça trop. Hein. Ah ouais, c'est ça m'a agacé celui-là, là, de barrer. Ah là, tiens. Ça va pas. Ok. Alors, qu'est-ce que je cherchais? Est-ce que j'ai pété ce que je cherchais? Alors, une news avec un récap des Twitch idées de l'équipe Gameblog, ce serait bien, on pourrait vous suivre plus facilement. Eh ben écoute, on va peut-être faire aussi carrément des tweets, je pense. On peut. On va faire même des tweets pour vous rappeler nos comptes Twitch. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Tu peux virer l'image, du coup? Je vire l'image, attention. Vous allez voir, vous n'allez plus voir que nos tronches. Hop! Alors, donc c'est le 23 mai, Wolfenstein The New Order. Et bah écoute, la date est notée. Sure. Et Steve qui rigole. Il lol sur Twitter en disant vous avez aimé mon bisou sur les fesses. On aime tout ce qui est charnel, mon ami. Tout ce qui est sur les fesses pas, en général. Là, voilà. Tout ce qui est charnel, on aime beaucoup. Moi, je suis bien équipé pour si tout ce qui est charnel. Si vous écoutez des podcasts, hein, vous savez que Mimic, si jamais. Mimic, avec des belles chemises et ses petits pectoraux, est toujours bien équipé. Ah oui, j'ai pas trop de pectoraux, mais j'ai beaucoup d'os. Vous pouvez l'entendre quand je tape là. L'important, c'est de participer, Plume. Ouais, en amour comme dans le reste. Et donc, vous savez, si vous écoutez les podcasts, que les fesses, c'est un endroit très important pour Mimic. Si jamais, par exemple. Oui. Un RP venait à t'embêter. Oui, une petite claque sur les fesses. Oui, oui, c'est réglé. Oui, moi je les claque. Je les claque. Ah, mais tu l'as dit. Oui. Oui. Ça ressortira un jour dans des magazines People. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut marquer bien, mark my word. My words, comme ils disent en anglais. N'oubliez pas ce que j'ai dit, effectivement. S'il y en a qui essayent de te corrompre, c'est toc toc toc. Ouais, voilà. Exactement. Regarde, il nous a ramené à l'endroit où on était, c'est trop cool. Hein, parce que, ah, bah, c'est oui, cool. Bah, ouais, bah, oui, mais tu vas aller plus vite du coup. Mais évidemment, je vais tellement vite, il n'y a pas de problème. Ah, mais si je faisais. Ah, tu restes près du Reggie et du bus. Faut déjà que je mette le truc. Bah, vous savez, de toute façon, on va pas rester des heures hein, sur le jeu, hein, puisqu'on ne peut pas vous en montrer des caisses et des caisses. Non. Donc peut-être que je vais repasser déjà en plein pot. Et puis que. Il l'a sauvegardé. Et puis qu'on arrêtera après, une fois qu'on aura bien avancé. Tranquillou. Regardez-moi ce petit jeu d'ombre là, comme c'est joli. Qu'y a-t-il donc à cacher, nous demande de Jelies? Bah, il y a plein de choses. En fait, il y a plein de choses. Il y a le scénar, des pouvoirs. Sur les sauvegardes, en fait, il marque certains trucs. Mmh. Et je veux pas que vous les voyez, ouais. Pour être précis. Voilà, pour pas spoiler et ne pas gâcher. Ah. Gibson qui demande, Gibson25, si on peut lui montrer le finish move en mode néon. Alors écoute, oui, on doit pouvoir te le montrer, mais là je pourrais pas. Parce qu'il y a un moment de me demander faire ci, faire ça, je peux pas. Ouais. Je peux pas tout faire, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à avancer comme je voudrais? Ah, je ne sais pas. Je peux foutre des coups de chaîne là-dedans. Non, ah bah voilà, c'est ça, parce qu'il faut attendre. Ah. Tu vas aller super vite, mais non en fait. Tu dois faire ce qu'il dit surtout. Bon, vous savez quoi, on va repasser un petit peu en plein pot. Pour que vous voyez bien ce jeu qui est quand même magnifique. Ah, c'est super. Et en fait, je sais pas que je trouve que Rise est plus beau. C'est plus le rendu global qui me fait un peu plus, je trouve, un peu plus lisse, un peu plus propre, un peu plus. Ah, bah c'est dit. Ah, bon, j'en ai marre de ça. Encore, bah dis donc. Enfin, je sais pas, c'est un rendu qui est différent, quoi. C'est juste ça. Il y a peut-être des effets de flou et trucs comme ça qui me plaisent plus. Tu parles de Rise. Ouais. Ah, c'est possible, ouais. Mais là, techniquement, c'est. Ah, bah non, mais là, pour moi, c'est aussi. Hein, je veux dire, c'est le jeu référence pour en prendre plein la gueule. Il avance ce bus là ou pas, ce coup-ci? Le jeu référence pour la PS4. Je veux dire, c'est une tuerie graphique. Après. C'est un très bon jeu. Voilà. C'est un bon épisode d'Infamous. Est-ce que c'est le meilleur. On dirait que c'est bon pour la suite. Il est grand temps de faire entrer. Oh, mais mon dieu! Ah, bah là, c'est ça. Tu peux le zapper? Ça, je pense que je peux le zapper. Non, je peux pas. Voilà, je peux pas le zapper, on le revoit donc. Bon, vous le revoyez. Dommage. Ouais, donc. Est-ce qu'il y a moyen de faire le jeu sans tout péter ou c'est vraiment le but du jeu, nous demande Akiru? C'est clairement une orgie de super pouvoirs. Le but, c'est de s'en mettre plein et que ça pète dans tous les coins. Et c'est ce qu'on peut faire. Alors, moi, évidemment, là, j'étais dans un endroit. Où j'avais déjà libéré beaucoup de choses, etc., pété beaucoup de choses et fait beaucoup de quêtes annexes, donc voilà. Mais c'est surtout une aventure qu'on suit, mais dans laquelle tout pète et tout explose. Effectivement, c'est un monde ouvert, mais c'est pour les à côté, qui sont un petit peu répétitifs quand même, ces à côté, moi j'ai trouvé. Même si là, ils ont rajouté des nouvelles missions, etc. On est en plein pot là, tu m'as dit.
Ouais, non, non, on peut rajouter des nouvelles missions, etc. Tu peux fumer si tu veux, tu peux manger ce saucif-là qui est sur la table, il n'y a pas de problème. Il y a du contenu en plus, etc. Mais néanmoins, c'est un peu répétitif. C'est un peu le, parce que le jeu a quand même des problèmes. C'est une vitrine technique, ok, c'est cool. La narration est meilleure qu'avant, c'est bien. C'est pas non plus un truc de ouf. Vous n'entendez pas un scénario de la volée d'un Last of Us ou d'une narration comme ça. Ouais. Mais c'est une narration qui est bien, qui fonctionne bien, qui est bien amenée, même si c'est une histoire qui n'est pas forcément pleine de surprises. Il y a des boss qui sont surprenants. On en prend plein la gueule au niveau de l'action, c'est confortable à jouer, etc. À côté de ça, il y a des problèmes sur, voilà, sur l'IA, sur la frustration que peut entraîner le cloisonnement des pouvoirs, parce qu'ils sont bien cloisonnés les uns par rapport aux autres. Voilà, on en connaît deux, il y en a quelques autres derrière, c'est pas non plus ouf, mais il y en a quelques autres derrière. Et vraiment, je trouve, moi, que sans doute le plus réussi, on l'a assez rapidement. Donc, après, au cours de votre choix, c'est le néon ou la fumée, mais je trouve que c'est le plus réussi du lot. Voilà, après, il y a des problèmes d'IA, comme je vous le disais. Il y a des problèmes, une frustration qui vient aussi du fait qu'il y a un manque de cohérence, c'est-à-dire qu'on peut tout péter dans les endroits d'UP, on explose tout et tout, et finalement on peut quand même pas péter les... On peut pas péter les environnements, des trucs plus logiques, quoi. Voilà, le fait de pas aller dans l'eau, c'est quand même un peu dingue. Moi, je trouve le fait de pouvoir foutre le feu à un immeuble, je trouve ça un peu... un immeuble aussi, mais surtout aux arbres, par exemple, c'est un peu bizarre. Ouais. Donc voilà, au-delà de ça, c'est une aventure qui se laisse jouer, qu'il faut bien suivre, et qui est de bonne qualité, qui est plaisante, et qui est confort, et qui en met plein la gueule, ouais. C'est spectaculaire. Bon, je crois qu'on n'aura plus besoin de rajouter quoi que ce soit au niveau de ce qu'on pense du jeu. Il y a Carambars qui demande si la manette est collector, donc PS4. J'en ai pas la moindre idée, écoute. Ouais, très honnêtement, elle est mignonne, ouais, mais je vais peut-être la prendre avec le bon âge, j'hésite encore. Tu prends tout, de toute façon. Moi, je prends tout, moi, je suis sans pitié. Ouais, mais écoute, je sais pas, on m'en va acheter un. Comme ça, ouais. Et d'ailleurs, je suis plus avec elle. Ouais. Parce que j'ai arrêté. Mais on remarquera surtout, et tu peux en mettre l'image, s'il te plaît. Bien sûr. Voilà, juste pour nous. Alors, qu'est-ce que tu voulais ? On remarquera surtout que nous sommes raccord. Ah oui, avec mon iPad, j'ai une coque rouge. Hein. Donc vous savez maintenant pourquoi. Oui, c'est vrai. Sauf qu'il ne vous parle pas. Plume ne vous dit pas tout. Non, je dis pas tout. Regardez, sous la souris du PC, c'est rouge aussi. C'est incroyable, hein. Voilà. Plume ne vous dit pas tout. Alors, non, je dis jamais tout. Vous savez quoi ça, moi, ça me dit quelque chose. Les coussins dans notre dos sont rouges. Et oui. Et vous savez quoi? Non, pas le pantalon. écoutez. Non, alors là, non. Non, là, je crois qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Tiens, je peux passer par là. Non, je peux pas. D'ailleurs, quand je dis il faut qu'on arrête... Tu penses que c'est l'heure? Bah, je pense qu'on va encore avancer. On va avancer, mais je pense qu'on va avancer en muet et juste en jouant. T'as envie de dire ça comme ça, toi? Bah ouais, on finit souvent comme ça, hein. Si tu veux. À moi, limite, à moins que tu penses avoir d'autres choses à dire. Non, parce que malheureusement, voilà, je ne tiens pas à spoiler les gens. Alors, est-ce que les gens sur Twitter avec le hashtag exactement une famous game blog pour le hashtag. Bon, tu peux remettre le plein écran. Ah bah si tu veux. Ok. Oh là là, dis donc toi. Moi, je suis assez exigeant comme t'as vu comme joueur. Hein. Ça me rappelle quand on jouait à FF11. Hein. Franchement ouais. Là, c'est... qu'est-ce que tu veux qu'on lui fasse à lui? On le défonce ou on le... Parce que tu m'as dit que t'es un mec bien, mais maintenant. Moi, je suis un mec bien. J'ai vu que t'aimais bien aussi quand je défonçais les mecs. Bah non, mais là, moi tout ce que je veux, c'est être un mec sympa. Ok, très bien. Tiens, il y a Lo67 qui dit « By the way, je suis premium depuis un mois et je ne suis pas déçu, ça me fait plaisir que tu dises ça. » Et bah écoute, nous aussi, ça... Parce que, sache-le, chaque premium qui s'abonne permet que... C'est une patate en moins, voilà. Dans mon plat. Et que c'était en plus, je veux dire. Et que ça fait quand même 4 ans que je mange des patates, donc... Non bah c'est cool en tout cas merci, bah, en tout cas, on essaie de faire le maximum pour que ça vous plaise et que ce soit sympa et convivial. Exactement. Après voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'imaginent pas à quel boulot fait le temps que ça prend. Ah non ça ne s'imagine pas, on est quand même là quoi, 13h et on finit à 17h quoi, je veux dire on est presque à la poste. Hein, ça que je te dis c'était avant, on gagnait bien notre vie en fait, parce que aujourd'hui c'est plus le cas. Hein. C'est fini tout ça. Non c'est fini effectivement. Ou pas. Peut-être que ça ne fait que commencer. Je suis pas loin, Edge. Combien de modes de difficulté tiens nous bonne Gibson 25 ? 3. 3. Qui était d'ailleurs pas très très bien dosé, il faut le reconnaître, au début. Et on a eu un patch entre temps pendant le test. Donc a priori, ils ont raffiné ça, comme ils le disent. Le mode easy reste le mode easy, qui peut quand même être un petit peu ardu. Le mode normal a été un petit peu augmenté, il est un petit peu plus dur. Et le mode difficile a été raffiné. D'accord. Redéfini. Alors, Aymeric, je sais que tu es d'origine lyonnaise. Pas du tout. Tout mais Lyon est qualifié pour la suite de la Coupe d'Europe. Écoute, tu m'envoies absolument voilà, ravi. Je sais que ça t'intéresse énormément. Tout à fait, tout à fait. Regardez-moi cette petite réverbération sur le sol. Là, moi, je kiffe. Et la Juve est qualifiée, putain. Ça va, Plume, c'est bon. Ah, c'est cool.
Ah putain, ça fait plaisir. Ils ont gagné 1-0, but de Pirlo évidemment. Alors comment il a marqué son but? Mais s'en fout ça, les... Non, moi je m'en fous pas. Oh putain, mon dieu quoi. Il a donc déclenché une frappe magistrale du pied droit. Sur coup franc. Bah ouais, il est encore bien coup franc, putain, mais. Mais c'est incroyable. Mais Andrea Pirlo, c'est... Mais j'ai envie de l'épouser ce mec. Déjà qu'il a la classe, mais en plus il met des coups francs à tous les matchs. Bah alors là, j'en reviens plus. Tu kiffes ça, hein. Bah, mais tu sais, c'est mes... Enfin, il y a des mecs comme ça, des joueurs, même qui soient d'origine italienne ou pas, de toute façon, c'est, ça n'a rien à voir. Hein. Mais non, ce mec, sûr, il est démentiel. Ouais. Démentiel. Bref. Ah, il y a Mackey Mémé qui dit « Ça envoie sévère, je vais m'acheter une PS4 ». Bah dis donc. On peut dire que, au moins, comme ça, t'as été convaincu rapidement. Techniquement, c'est très très bon. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Après, voilà, c'est pas révolutionnaire. Ah, le 67 qui me dit « J'aime surtout les podcasts vidéo, toujours rafraîchissants ». Bah écoute, merci pour toutes les personnes qui participent. Parce que, on peut dire que... Ouais. On peut le dire. On peut le dire, voilà, j'en rajoute un peu plus. Ah, ça va maintenant. Précisons aussi que le langage du jeu, enfin, en tout cas Delsin est un petit jeune et qui est un langage assez cru, hein. Voire assez violent. Et dire, moi j'ai envie de dire, c'est une petite crotte. Il y a un petit peu d'humour aussi avec ta réflexion, que vous vous en rappellerez pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée. Fais pas ton connard. Fais pas ton connard. Qui revient assez régulièrement dans le jeu, c'est une blague assez récurrente. Fais pas ton connard. Ok. Ça me fait rire. Et d'ailleurs, ça fait souvent les gens de la Relive. Parce qu'il n'en faut pas grand chose. Ah, Julien Cal. Toi d'ailleurs. Hein. Julien Cal. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a, moi? Qu'est-ce qu'il y a? Moi ouais, fais pas ton connard. T'as de la chance d'être plus grand et plus costaud que moi. C'est sinon, vrai. Tu feras ton connard. Ouais. Wow. Et donc, Julien Cal qui dit bonne soirée, plus mais Mike te dit merci pour ce live. J'attends de passer soutien pour vous voir en vrai. Tu vas avoir du chemin hein, depuis Poitiers, ouais. Julien. Hein, mais... Ouais. Mais en tout cas. Ça sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir évidemment parce que chaque fois que vous venez. Il paraît qu'on est des gens sympas, hein, c'est ce que les gens vous ont dit. Alors bon, il y a beaucoup de gens qui pensent sur Twitter qu'on est vraiment des enfoirés de première. Ah bah ouais, ce qui m'explique toujours. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont très, très sociables hein, dans la rédaction. Émeric et Julien par exemple en particulier sont très sociables. C'est moi je suis assez timide. Je vous cache pas qu'il me faut un peu de temps avant de m'habituer. Mais dès qu'il arrive. Dès qu'on arrive vers 22h, 23h et que j'ai deux coups dans le nez, je commence à parler de ma bite, à danser tout nu et tout. C'est quoi une bip, ouais. Tu parles une bite, moi je dis une bite, j'en ai rien à foutre. Ce mot est connu de tout le monde. Cool, mais c'est marrant sur Twitter, comme tout le monde pense qu'on est un peu des. Enfin voilà, les gens se haïssent très très vite sur Twitter, c'est très drôle. Ah, ça, je te fais pas dire. C'est marrant parce qu'après. Là, tu m'as haï sur Twitter un jour. Bah, je t'ai pas haï, je t'ai viré. Parce que tu disais beaucoup de conneries, mais ça m'a gonflé, mais d'ailleurs, tu m'as dit direct, mais putain, tu m'as viré. Oui, tu dis beaucoup de conneries. C'est normal, je t'ai dit, oui, je fais. C'est le but. C'est mon. C'est la direction éditoriale. J'ai dit, bon, ok, si finalement c'est. C'est ta direction éditoriale que t'es obligé. Ah bah oui. C'est pas de ta faute. Donc, ah bah après, faut savoir s'engager. Hein, voilà. Sur le point éditorial. Et donc ça, j'ai. Donc voilà. Mais c'est marrant, ouais, parce que c'est normal, on les recroise effectivement après. Et c'est souvent plus calme, beaucoup moins virulent quand on les croise en direct que sur Twitter où c'est un petit peu. Regardez, moi je dis que lui c'est un connard donc j'existe. Et inversement, l'autre répond oui, toi aussi t'es un connard et tout le monde existe et c'est bien. Et tout le monde s'engueule et ça arrive à rien. Voilà, ça arrive à rien, mais c'est fabuleux. Mais bon, il faut bien trouver un moyen de se démarquer parfois. C'est ça, ta façon. Alors, ça y est, on arrive à Seattle, machin, mais ça, hop, tac. Donc on revient dans le terne et dans le gris, on peut voir qu'il peut faire ça aussi le jeu. Il y a plusieurs périodes, je l'avais dit, enfin plusieurs moments de la journée qui sont montrés. En toile de fond, donc on a évidemment le plein soleil, le midi avec le cagnard, qui a un éclairage différent, le moment où le soleil se couche, la nuit, et le moment où c'est la grisaille comme ça, et même le moment où il y a des effondrements un peu particuliers, il y a beaucoup de fumée, et en fonction des éclairages, là, bah, c'est la fumée est de couleur un petit peu différente. Bon, on voit un peu ce qu'il y avait au début, hein, là, ah, bah, là, on l'a montré au tout début du live. Ouais, mais tu m'as demandé de revenir et d'avoir. Oui, c'est vrai. Bon, je pensais qu'on en arriverait un peu plus. Ah, mais tu sais, c'est un petit peu le. Le souci que j'ai eu au moment de préparer le live, justement, c'est que voilà, il fait des sauvegardes un peu où il veut, donc j'ai sauvegardé un peu là où j'ai cru bon, mais je connaissais pas le jeu, donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu le début du live, c'est un bon moyen de, tout à fait, revoir. C'est joli comme tout, hein, ici, donc, là, ces petits éclairages et tout, c'est classe. Alors attends, parce que il y a l'habille qui nous pose une question vraiment incroyable. Allez, on y va. Le mieux, c'est Xbox One ou PS4. Et là, en fait, ça dépend. On va vous montrer la version Xbox 360. Non, là, on va déballer carrément, parce qu'il faut qu'on s'engage. Je veux dire, là, c'est évident. Alors ouais, c'est plus la version Xbox One pour une fois. Ouais, mais c'est pas les consoles qui sont importantes. Encore une fois, c'est les jeux qui sont dessus. C'est vrai. Donc s'il y a des jeux multiplateformes, effectivement, on prend un Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, bah il est un peu moins bien en 720p. Donc sur Xbox One. Sur Xbox One, mais enfin, est-ce que ça reste un jeu pourri? Est-ce que c'est un jeu pourri pour autant? Non. Bah, c'est une belle démo en tout cas.
Ah pardon, on a... non, on le dit pas. Après, il y a les 100 euros d'écart qui sont un petit problème, mais bon. Ouais. Ça, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment fait en fonction des jeux qui vous plaisent. Quoi. Vous posez pas cette question. Bah, de toute façon, les deux consoles sont bien, il n'y a pas de souci voilà. De ce côté-là. Hein, soyez voilà. Bourgeois, achetez-vous les deux. Ouais. Et puis, c'est ça tout. Serait bien, mais, alors, mais tout le monde ne peut pas le faire. L'O67 mais... demande sur quel thème sera le prochain podcast. Et ben, je te le donne. Oula, t'es maintenant. Sûr, t'es sûr. Bah, j'ai envoyé un tweet hier ouais, à ce sujet avec le hashtag podcast gameblog. J'ai posé la question à toutes les personnes sur Twitter. Ouais. Quel était l'accessoire, quels étaient les accessoires qui les avaient plus, marqué au cours de ces dernières années de jeux vidéo, enfin de toutes ces années de jeux vidéo. Donc voilà, ce sera sur les accessoires. Les accessoires de jeu, alors réfléchissez bien et n'hésitez pas si vous voulez en faire part. Je suis sûr que ça va faire un carton ça, les accessoires de jeu, à mon avis, ça va intéresser plein de gens. Bah ouais. Non, ça t'intéresse pas toi. Si, ah donc, moi je suis à fond sur j'adore les accessoires. Je me rappelle de la canne à pêche qui m'avait beaucoup excité sur Dreamcast. Ah, la canne à pêche. Ça m'avait fait rêver cette canne à pêche. Il y en a eu une sur PS2 aussi, hein. On faisait des tournois. Il y a des gens qui arrivent à PES et qui jouaient avec la canne à pêche. En fait. Je me rappelle particulièrement de ça parce que j'avais vu des accessoires pour Dreamcast absolument géniaux qui débarquaient de partout là. Les images, moi je les ai jamais achetées parce qu'à l'époque j'avais pas d'argent. Mais alors maintenant c'est au contraire. L'accessoire Dreamcast incroyable c'était le flingue dont ils n'avaient pas le brevet. Oui. Et ça j'en ai deux. C'est vrai ça, j'en ai deux. J'avais pu jouer à House of the Dead 2 à l'époque. Oh là là, j'en ai deux. Et alors on y jouait avec Julo d'ailleurs, qui en a deux aussi je crois. Ouais. Donc ouais, non, si tu veux vraiment un mec. Putain, mais j'adorais. Mais c'est bien Julo. Hein. Donc c'est à toi que je vais emprunter une Dreamcast un jour en fait. Ah bah j'en ai. Pour jouer à Shenmue. Je crois que j'en ai trois. Hein ? Je dois avoir une Jap. Ah les mecs ont eu peur, t'as vu comment ils ont flippé en me voyant. Et tu me dis ça aujourd'hui que t'en as trois. J'en ai trois des Dreamcast, ouais. J'ai une Jap et deux françaises je crois. J'ai payé ma Jap. Je crois que j'ai payé ma Jap 7000 francs. Oh lololo. À la sortie, un truc de dingo malade. Oui, vaut mieux la garder quand c'est comme ça. Mais non, mais ouais. Tu sais que ça va finir par je vais t'emprunter la Dreamcast pour jouer à Shenmue. Ah, t'as pas joué à Shenmue ? Bah non. Oh merde ! Jamais fini. Oh le choc ! Bah ouais. Le choc, la perte d'emploi en plus. Ce qui fait quand même beaucoup pour le divorce. Ouais, alors ça je sais pas. J'ai la chance de j'ai mis à la porte. De connaître ta femme, je pense pas qu'elle t'en tiendra rigueur. On sait jamais. Ah ok, très bien. Des choses que tu ne sais pas. On a jamais discuté de Shenmue donc. Ok, d'accord. Très bien. C'était un sujet qu'on voulait éviter jusqu'ici. Ouais, bah c'est faut pas se mettre en danger non plus. Alors, question, encore une fois, hors sujet de choses. Beaucoup de hors sujet, hein. Que pensez-vous du film Need for Speed avec Aaron Paul au vu des bandes annonces. Voilà, c'est la réponse voilà. De Nick. Voilà ce que j'en pense. Sur ça le a film l'air rigolo. Ah, non, mais tu sais que je crois qu'il est déjà rentabilisé, hein. Ouais, c'est sorti. Putain, bah, c'est. Moi, il me semble que. Comment dire. C'est malheureux à dire, mais je crois que. Je crois que le décès, la mort du monsieur. Quel monsieur? Les gars là qui devait jouer dedans là, je me rappelle plus son nom. Non, c'est pour Hitman. Ça ressemble à quoi ça? Mais oui, c'était Hitman que Paul Walker devait faire. Il a été remplacé. Putain, je croyais que c'était ok. Bon, ouais, bah très bien. Et bah écoute, dans ce cas, j'ai pas d'avis. Voilà, c'est comme ça. J'ai pas d'avis. Après un large rire. Voilà. Alors un live Bayonetta 2 nous dit Akiru, t'inquiète pas. C'est vrai que t'es moins Bayonetta à toi. Ah bah moi j'ai fait le test du premier, je suis pas aussi fat que tu m'en. Ah, mais autant j'ai mis une bonne note. Peut-être qu'on se battra pour le test c'est alors. Ah mais alors si tu le veux mon ami, y'a aucun souci. C'est vrai? Ah ouais. Ah, t'as pas de Wii? Ah, Wii U. Si, je suis équipé mais. C'est la Wii. Mais non. Ah parce que moi Bayonetta c'est vraiment. Enfin, moins pour l'ambiance franchement, que j'aime pas trop. Mais voilà, moi c'est ça qui m'a gonflé en fait. Au-delà de ça, c'est un très très bon BTR. Très très bon BTR. Voilà, au bout d'un moment ça va pour arrêter les conneries. Tiens, prends ça toi. Mais oula, qu'est-ce qui m'a mis là? Voilà, c'est un très bon BTA, après, ouais, effectivement, au bout d'un moment, les bisous, les machins, les trucs, et les too much. La non-salope qui pète tout le monde, au bout d'un moment, c'est méga bon. Donc, d'ailleurs, il y avait un trophée dans le jeu hein, qui disait, je peux pas la salope du service, je peux pas. Ah ouais. Donc là, il y a un trophée qu'on fait sur play. Alors, il y a Bandini qui arrive seulement maintenant. Bah Bandini, bah alors que bah, tu savais Bandini, là. Bah ouais, Bandini, on va bientôt finir, nous, on a bientôt bouclé, alors, hein, se prendre la dernière bière. Ah oui, il y a des antennes aussi à péter, tiens, regarde, hop. Ah. Là, ça pète de partout, là. Qui dit désolé, j'arrive à peine. Est-ce qu'on croise Cole dans le jeu? Non. Bah voilà. C'est même pas de. Il y a pas de négociation. Peut-être. On veut pas vous spoiler. Voilà. C'est non. Ça c'est réglé. Après on n'est pas à l'abri d'un truc. Hein, mais, ah oui, un DLC. Je vais Cole. Voilà. Mais bon, moi je l'ai pas vu dans le scénario principal. Oh là, il y a Jamal Mudai qui nous dit qui vient de me faire une révélation là. Ouais. C'est moi ou le 3, c'est pas loin. Putain mais c'est vrai. Le 3, c'est super pas loin le 3. Oh la vache, c'est déjà dans la sortie du Watch Dogs avril, mai, juin. Putain, c'est dans 3 mois. Ouais, non, ça va aller vite.
Oh là 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 là. Et le temps passait à une vitesse, mon ami, si tu savais. Oh là bah oui, le temps passait, et beaucoup de choses ont changé. Exactement. Pour autant, on est toujours là. Bah, on fait le bilan, calmement. On se remémore en 5 instants. Je vais chanter ça tout à l'heure aujourd'hui. C'est vrai ? Ukubaka bébé, pendant que tu fais des news. Eh bien écoutez, je pense qu'on va bientôt terminer ce live. Hein. Écoute, si tu veux. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on est dessus, on vous a tout dit hein, sur Infamous Second Son. Alors non, on vous a pas tout dit parce qu'on voulait pas vous spoiler. Oui, bah non, bon après non, tout dit, voilà, attends, c'est ce qu'il fallait retenir. Voilà, quoi. On leur a dit l'essentiel effectivement. Voilà. Et voilà, mais après il y a plein de choses à découvrir dans le jeu. Je préfère que vous le découvriez vous-même. Voilà, il y a hors de question de balancer. J'espère que d'ailleurs, c'est vraiment une volonté des développeurs, c'est intéressant de parler de ça. C'est une volonté des développeurs de pas avoir montré les autres pouvoirs. Ce qui est plutôt cool, mais voilà, je me demande s'il y a des sites qui vont en parler. Quitte à gâcher le plaisir aux joueurs. Je serais surpris de voir ça en fait, voir qui parle des autres pouvoirs, parce que je trouve ça assez gonflé finalement. En fait. Parce que, ouais, tiens, il y a Kiro qui dit « Je suis une salope de sorcière ». Voilà, c'est ça. Moi j'ai cru que c'était vraiment le cas, donc j'ai commencé à fantasmer, mais bon. Dommage. Il y a... Alors attends, Adam Coury qui dit I don't know how to speak French. Ok. Voilà. Hello. C'est sympa hein, de mettre ce Hello. Hashtag Adam Coury. Nice to meet you. Nice to meet you. Yes. We are playing Infamous Second Son. Who are you? Where do you live? Where do you live? Are you from Los Angeles? Because if you're from Los Angeles. Ah oui, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir, qui est tombé. À mon avis, il est tombé sur le sur le hashtag. C'est un accident. And we need somebody to go to the E3, so if you want to go for us, please, yes. Let's go. Please, don't hesitate, it's really a well-paid job, trust me. J'ai envie de le faire avec un accent. And you will know France. Ok. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. On va maintenant vous laisser en jeu, évidemment. Ouais, in-game. On game. Va continuer un tout petit peu in-game, avant d'arrêter complètement ce live. Voilà. On espère que ce live vous a plu, qu'on a répondu aux questions que vous posiez oui. efficacement. Mais tu réponds à leur place, toi. Oui. D'accord, donc je vais vous dire un truc. Bon, bah, oui. J'espère que ça va. Oui. Voilà. Quoi qu'il arrive, on se retrouve très bientôt pour un autre live sur gameloop.fr. Ce live sera disponible en replay dans quelques minutes. Seulement dans quelques minutes. Et bah, Mimic, merci encore hein, pour cette démonstration. Écoute, pas de soucis, c'était un plaisir. Et ton intégrité pour ne pas avoir voulu en montrer trop sur ce jeu. Ah non, mais il est hors de question qu'on engage le truc. Ah hein, non, mais là vraiment, voilà. Moi j'admire. Hein, ah non, c'est hors de question. Parce c'est prise de position. On aurait pu combler, en montrer évidemment plus, mais ce serait dommage. Voilà. Bon, très bien. Et bah écoutez, encore merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. A très bientôt sur gameblog.fr. Ciao. Ciao les jeunes, merci à tous. Et à toutes, hein, quand même. Et à toutes, ok, ah, les toutes. Bon. Okay. Bisous. Bisous. Tout en douceur. Je viens de réaliser que tout le DUP a des pouvoirs de béton, c'est ça? Alors t'as qu'à en drainer un et puis on rentre tous à la maison. Et
si ça marche pas, eh ben, on dira que t'avais tort et on rentre quand même à la maison. Et toi, mon grand-père? Ah, merde. Alors, ça a marché? Pas le temps de vérifier, vieux. J'ai le DUP qui m'encercle de partout. Et alors fous le camp de là. Ouais, c'est un bon conseil. D'accord, j'ai horreur de ça, mais tes super potes en bleu, ils auraient pas entendu parler de ces relais de noyaux? Ouais, bah apparemment ils en ont posé dans toute la ville. La police de Seattle les surveille tout le temps parce que le DUP veut pas leur dire à quoi ça sert. Donc, tu pourrais me dire où ils se trouvent tous? Oui, comme je te l'ai dit. Cool, faut que t'envoies les emplacements sur mon mobile. Pour que tu leur extorques quelques pouvoirs de plus? Non, oublie ça. Waouh! Propre frère veut que je combatte le méga giga bioterroriste qui fout les jetons, mais tout ça avec moins de pouvoir. Hé, hey, j'ai pas non plus dit ça. Bon, faudrait pas non plus les vexer. Faut mieux filer tout droit chez Augustine et qu'on en finisse une bonne fois. Je sais pas trop ce qui va se passer. D'accord, d'accord, j'ai fiché. Écoute, toi, tu restes bien loin d'Augustine et je t'enverrai tout ce que je peux. Merci, Edge. T'es le meilleur frangin du monde. Non. Le meilleur frangin du monde, lui, t'aurait mis à l'ombre à Salmon Bay pour le restant de tes jours. Waouh. Pas sûr qu'un placard cache un porteur longtemps, mais j'apprécie que t'aies envie de m'enfermer. Reggie, il faut que tu vois ça. Le DUP a complètement ravagé la ville. Et tous les habitants courbent les chines et marchent comme s'ils avaient peur de leur ombre. Ouais, c'est le principe de la loi martiale. Tu contrôles la ville et le peuple en commençant par les briser. Ouais. Bah, les envahisseurs, ça craint. Ça, tu devrais peut-être pas le dire à haute voix. Sans rire, Iceman. Est-ce que le DUP a recruté toute la ville? En tout cas, n'oublions pas que tu gardes l'avantage du nombre. Hein, frangin? Parce qu'un mec seul est beaucoup plus rapide, léger et discret. Et puis comme ça, ils te sous-estimeront. Ils vont avoir une sacrée surprise. Tu veux me rendre service et leur expliquer ça? Peut-être qu'ils renonceront? Hein? Et gâcher la surprise au dernier moment? C'est pas faux. Reg, il y a des postes de contrôle et des caméras à peu près dans tous les coins. Ça, c'est l'avantage indéniable de jouer à domicile. Sauf que c'est même pas leur domicile. À quelle heure dire ça? Ok, donc par là, c'est pas une option. Il faut que ça marche. Ça marche, putain!